Il y aura un tatou, 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 il y aura Te mau papa iu ea, te nun ai tame te iu bau, te ui api, harnei hapi i te toro, hapi i tamarino, hapi i tatato mo tamarino anan hei, pari mei te tapo o, pari manhini o tau, uratu i te i wharau te nuna. Te anu atu i o tau, te ui api, harnei te pu whaingi nere agrohi a formatio a tiu, pari to mai, te tapo anu terfa, i to tatou wharari dai tene bau bau, papa i praur hei, ki rato ia oi, Monsieur le Président, cette séance a été convoquée par lettre datée du 26 et 27 octobre 2010. Mesdames, Messieurs les représentants, j'ai l'honneur de vous informer que l'Assemblée de la Polynésie française tiendra la cinquième séance de sa session budgétaire le mardi 2 novembre 2010 à 9h. Je vous prie d'agréer, Mesdames, Messieurs les représentants, l'expression de ma considération distinguée, signée par Monsieur le Premier vice-président Anthony Giros. Maruru, te aninei oi tu tatou, papai prorhei atu o mai te oot, mon mero mai te hie te nauti tamai te ipupu. Algan Emma, absent. Monsieur Bertrand Nicolas, présent. Madame Bob Dupont-Tamara, présente. Monsieur Bissou Jean-Christophe, présent. Madame Brémont-Madeleine, absent. Madame Brodien-Rosine, absent. Madame Chavez-Daphné, présent. Madame Cross-Valentina, absent. Monsieur Droulet-Jacqui, présent. Monsieur Floss-Gaston, présent. Madame Frébeau-Joël, présente. Monsieur Frébeau-Pierre, présent. Madame Fuller-Tilda, présente. Madame Galnan-Minari, présente. Monsieur Giros-Antoni, présent. Monsieur Anderson-Georges, présent. Madame Hirschon-Onotea, présente. Madame Isalé-Fara, absente. Monsieur Cloutet-Benoît, absent. Monsieur Comitini-René, présent. Monsieur Lison-Marcelin, présent. Monsieur Mamato-Yonta-Pou-Victor, absent. Madame Anoufé-Lévy, Agami-Sandra, présente. Madame Araya Emma, présente. Monsieur Marie Urateina, présent. Madame Maritera Guililian, présente. Madame Atawa Leoni, absente. Madame Ati Juliana, présente. Madame Ersuron Armel, présente. Monsieur Moutam Thomas, présent. Madame Olivier Marise, absente. Madame Opa Afouanik, présent. Madame Parker Eliano, présente. Monsieur Peututi, présent. Monsieur Paulieté Kinoui, présent. Monsieur Aputo Jean-Marius, présent. Madame Richton Monique, absent. Monsieur Romata Roferno, présent. Madame Sage Maïna, présent. Monsieur Salmon James, présent. Monsieur Gilles Philippe, absent. Madame Serge Outarita, présent. Madame Tahiata Chantal, présent. Madame Tawatama Juliette, absent. Madame Tama Françoise, présent. Monsieur Tonso Robert, présent. Monsieur Chumtururu, présent. Monsieur Tefarere Hiroiti, présent. Monsieur Temaru Oscar, présent. Monsieur Temaru René, présent. Madame Teruapia Sylviane, présent. Madame Teura Justine, présent. Monsieur Toahou Ismaël, présent. Madame Tuchobia Catherine, présent. Madame Vernaudan Béatrice, absent. Monsieur Vernaudan Clarence, présent. Monsieur Yip Michel, présent. Monsieur le Président, nous avons reçu les procurations de Madame Cross Valentina, de Monsieur Ismaël Douahou pour Madame Cross Valentina, de Madame Chantal Tahiata pour Madame Olivier Marise, de Madame Françoise Tama pour Monsieur Salmon James, de Madame Tamara Bob Dupont pour Tuichou Buyard Catherine. De M. Komoutini René pour Mme Isal Hefara, de Mme Brémont Madeleine pour Mme Richton Monique, de Mme Tarita Saint-Jour pour Tahouatama Juliette, de Mme Tida Fouler pour M. Gilles Philippe, et enfin de Mme Manouté Lévia Ganisandra pour M. Benoît Colpé. Maruru, te anineo et tato. Papa Proheia, Taio Mai, ya Vovo Mai Pronot, Motapro et Poti, Frurhia, Noteye, Mana. Monsieur le Président, la conférence des présidents vous propose l'ordre du jour suivant. Point 1, approbation de l'ordre du jour. Point 2, débat d'orientation budgétaire. Point 3, examen de la correspondance. Point 4, convocation de la prochaine séance. Et enfin, point 5, clôture de la séance. Madame le Président. Maruru, Papa Proheia, Tianine, Momero Mai, Tihete, Luna, ya.
Whare mai te motapuruhe po te whirurihia no te imhana, te ai whare, au hai tātou tirimania, po mana, maru. Te harera tātou I mua I tēnei, tui tō whā, re tēne maharuru. Re tēne o tāpora arahe, I ora nei te arwhono te atua, re tu tēne no Tahiti Nui, tēnō atu I te monopretini, tēnō atu I te whātarehau heine, te mō whātarehau tāne, tēnō atu I tātou, te mau tuahine, te mau tē, tia mai te hieru tui tā pōra arhei, I orane te arwhono te atua. Pretini, te riro nei au, no te mea pā e wau mea pāriroa, tui te ia pōra arhei, e auhano mātou pā atoa, no te whātē atu I te tāpā no tō mātou arawha, no tō oe mhana whanaura no nanheira. E tā mātou e oa oa nei, I te whahamanoa rātou I a oe, e uru au ahauhia oe hoe mataiti. Tararai e hio tua I a oe, ai tato oe tau I rā, te maitei noara, te poroi ia tia me te whatū ia oe ia waino mai oe ia waino mai tātou ia āmuino tātou I te rawe ai te uhupa no tō tātou whenua no tō tātou nuna ia mai tei oe tō e mahala whānaura me apiro aha e ono ahuru mataiti me huru o tautar I a te reira ia o I tētura in e tara whaito prohi e eru o reira maruru ai tō tātou whareira I te e pupau e ti e no atu ei mātui tā oe tītaura ia tātui te ia watea nei maruru e pretetene Maruru tui tō whā, maruru no te poro I whaidoito, maruru no te mūmana o tā oe o mai mō I tātou e nā te atua tātou e tiai. Maruru, harara tātou I mua, kāpai praurahei. Iau I te aratei nā te irawature hanere maharu mamha hoe, no te papature no mataiti piti tautini e mhā hanere I haru e mahitu, mapiti. No te piti haru mahitu no whepuare mataiti piti tautini e mhā hanere I haru mapiti. No te piti haru mahitu no whepuare piti tautini e mhā. Papune I te papature o tō tātou whenua, e ti tauhia tātou I ruru, no te tua tāpua I te prau, te aratai ā, o te tāpura fofa o te mataiti I muri nei. No te I e... Tāpuruhi pai vai nei mua I tātou, te arine o I te predetini, whenua, ia wawo mai, mō reni rarhei, mō upuara a, mō whanhora a, no te ie mataiti, tō te ie tāpuruhi pai vai nei mua I tātou, piti tautini, ahuru e mahoai. I ora nei predetini. Tātātoa porarhei, e iameite e wawo atu o ere teito o mhana whanaura. Ia hameite atu o maite atu e ia oe tō tātou tōwha, no wharani nui. Haruru maite te atua I te whare reira. Mesdames et messieurs les représentants de l'Assemblée de Polynésie française, messieurs le vice-président, mesdames et messieurs les ministres, mesdames et messieurs, chers publics, particulièrement à nos étudiants ici présents, mesdames et messieurs de la presse, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, chers amis, Yorana et Maeva et Manava. En propos liminaire, je vous adresse au nom du vice-président et de l'ensemble du gouvernement nos plus chères salutations et nos plus chaleureuses salutations. Notre séance d'aujourd'hui est consacrée au débat d'orientation budgétaire tel que prévu à l'article 144-1
de notre statut d'autonomie. Il va s'appuyer sur le rapport qui vous a été remis et dont la densité, voire parfois la complexité, peut en perturber plus d'un. Que n'a-t-il pas déjà été dit et écrit sur ce rapport ? J'ai entendu dire, c'est un rapport pâle, vague, sans odeur et sans saveur, comme si la gestion d'un pays, frappé de plus par une crise majeure, pouvait se résoudre à quelques recettes. Je ne me livrerai pas à l'exercice de vous redire avec d'autres mots le contenu de ce document, fort complet, que j'espère que tout le monde a lu. Mon intervention, volontairement concise, s'attachera essentiellement à expliciter les raisons qui nous ont conduits à opérer ces choix, choix que nous assumons pleinement. Auparavant, je souhaite, en quelques mots, faire un bref retour sur un an de gouvernance. Cela me permettra aussi de répondre aux nombreux détracteurs qui, dans les médias et dans les réseaux d'opinion, clament à tous les vents que nous n'avons rien fait. Qu'avons-nous fait depuis bientôt un an ? En dépit des embûches et des difficultés, nous avons dû faire face, dès notre prise de fonction, à une situation économique, sociale et financière très, très dégradée. Notre choix fut clair. Nous avons privilégié un effort et rigueur par la maîtrise et la réduction de nos dépenses publiques en refusant la hausse de la pression fiscale. Nous avons proposé et vous avez voté, dans les délais impartis et avant la fin de l'année 2009, un budget 2010 construit sur ces principes. Au travers d'abord du budget primitif et des différents collectifs qui ont suivi, visant à rétablir la sincérité de nos comptes en inscrivant l'admission en valeur des créances irrécouvrables pour près de 4,5 milliards, c'est historique dans notre budget du pays, et une dotation aux amortissements de près d'1,5 milliard, certes encore trop faible, aux fins de reconstituer notre capacité d'autofinancement. Par une série ensuite de mesures d'économie concrètes dans le fonctionnement quotidien de nos structures publiques, par la réduction du nombre de ministères qui sont passés de 15 à 12, par la contraction des dépenses de fonctionnement quotidien et l'affectation des crédits par 12e. Cette simple rigueur de gestion permet de prévoir une diminution de nos coûts de fonctionnement de près de 5 milliards. La refonte de notre service public, c'est un chantier que nous avons, dès le début de l'année, lancé, avec pour objectif de réduire en 5 ans la taille et le nombre de nos structures administratives et satellites, tout en améliorant le service à l'usager. Depuis un mois, nous sommes dans la phase active de cette refonte. En reprenant une initiative que vous avez initiée, Monsieur le Président de l'Assemblée Polynésie française, mais en élargissant son champ d'intervention, nous avons sollicité l'appui de l'État au travers d'une mission d'assistance et d'expertise polyvalente. La synthèse de ce rapport a été présentée aux institutions et aux forces vives du pays. Ce rapport, comme je m'y suis engagé, a été très largement rendu public. Dans la limite de nos contraintes budgétaires,
nous nous sommes attachés au redressement de notre économie. Ainsi, au titre des grands travaux, la Commission consultative des agréments fiscaux a retenu 21 dossiers, représentant un investissement global de 27,3 milliards de fonds pacifiques. Le secteur du bâtiment, pourvoyeur d'emplois, ont été particulièrement ciblés, notamment par la mise en place des trois mesures PAP, PIM et PIL, qui ont eu un effet dynamisant sur la demande, si l'on en juge par l'épuisement des crédits prévus pour l'exercice en cours. En moins d'un mois et demi, plus de 3 milliards de crédits ont été contractés au niveau des banques, représentant pour près de 10 milliards de travaux. Et le ministre de la Reconversion économique présentera prochainement un collectif pour venir abonder les crédits qui malheureusement ont été réduits à l'occasion du dernier collectif budgétaire. Dans tous les secteurs de la vie économique, nous avons privilégié les actions visant à redynamiser la relance de l'activité. Pour ne citer que les principales, je rappellerai qu'en matière de tourisme, nous avons travaillé à restructurer les outils de développement au travers d'une réorganisation du GIE Tahiti Tourisme, de la création du comité d'orientation stratégique du tourisme et de l'amélioration du cadre réglementaire applicable aux paquebots de croisière. Dans le domaine des ressources maritimes, il convient de rappeler les résultats encourageants enregistrés lors des dernières ventes aux enchères qui ont eu lieu, avec un cours moyen de 907 francs le gramme de perles, alors qu'il était auparavant de 463 francs. En matière de pêche, nos efforts n'ont pas été vains, avec des augmentations de 21% et de 20% respectivement pour le tonnage de poissons pêchés et exportés. L'agriculture n'est pas en reste. Notre agriculture s'inscrit résolument dans une démarche de qualité. Votre Assemblée examinera très prochainement un projet de loi relative à l'agriculture biologique. La croissance de nos productions symbolisée par la production de la vanille, plus de 796% par rapport à 2009, et le bilan de notre foire agricole avec plus de 150 000 visiteurs, avec la participation remarquée de notre Assemblée. Tout cela représente des signes encourageants. Pour ce qui est de l'emploi, nous ne devons pas nous voiler la face devant la gravité de la crise que nous traversons. Près de 10 000 demandes d'emploi sont recensées fin octobre auprès du CEFI, soit 6,5 de plus que l'an dernier, à la même époque. Pour autant, les offres d'emploi sont aussi en hausse, plus de 11% sur les 10 premiers mois de cette année. C'est pour nous un premier signe encourageant de reprise. Face à cette situation, nous avons apporté un appui sans précédent à l'emploi et à la formation professionnelle, avec plus de 8000 personnes aidées au travers des CPIA, pour un nombre de 4206 précisément, des contrats emploi durable pour 1259, du dispositif d'incitation au maintien de l'emploi IME pour plus de 1500 et du DARS dont 2500 entreprises ont pu bénéficier pour 10 700 ressortissants. Plus de 3 milliards ont été consacrés à ces mesures auxquelles il convient de rajouter le chèque service aux particuliers qui est devenu opérationnel. En matière de solidarité, la solidarité a joué pleinement son rôle pendant cette période difficile. En matière de logement social, 405 logements sociaux ont été livrés. C'est malheureusement encore
bien trop peu. C'est dire les efforts qu'il nous reste à faire, quand bien même près de 1 000 logements seraient programmés pour un coût de près de 9 milliards au titre du contrat de projet. En rappelant qu'au passage, le contrat de projet prévoyait un budget de plus de 21 milliards pour un ensemble de logements de 1 800. Cependant, malgré la crise économique qui affecte l'ensemble des familles polynésiennes, le taux de recouvrement des loyers progresse légèrement. 57% 93 au 30 juin 2010 contre 56,65, encore très insuffisant. Le budget social du pays est à la hauteur de la situation, avec un montant cumulé de près de 3,7 milliards. Pour autant, nous devons regarder la réalité en face. Le nombre de familles en difficulté en manque augmente de jour en jour du fait de la crise économique. Quelques chiffres doivent être présents à notre mémoire. 20 000 familles vivent en dessous du seuil de pauvreté. Le recours aux aides alimentaires du Fonds d'action sociale du régime de solidarité a augmenté de plus de 30% en un an. Pour ce qui est de nos comptes sociaux, face au déficit cumulé constaté de notre système de protection sociale généralisée, l'année 2010 a été mise à profit pour relancer le dialogue social au travers du Conseil de la protection sociale et de l'action sociale et d'un groupe de travail tripartite associant les partenaires sociaux, les professionnels de la santé et le gouvernement. Il convient de souligner l'engagement des partenaires sociaux dans ce processus qui permettra de rétablir l'équilibre des comptes durant l'exercice 2011. Pour ce qui est de notre capacité d'investissement, 19,5 milliards ont été inscrits au budget primitif au titre des emprunts nécessaires pour financer notre programme d'investissement qui s'élève à 49,5 milliards. Notre objectif sera atteint avant la fin de l'année, quand bien même avons-nous dû avoir recours au marché obligataire. Je ne reviens pas sur ce sujet. Pour ce qui est des grands travaux, à ce jour, sur les 26 milliards de crédits de paiement disponibles, plus de 16 milliards sont déjà consommés et nous maintenons toujours le cap des 70% des taux de réalisation à la fin de l'année. Le compte financier de l'exercice en cours détaillera ces différentes interventions par nature et par mission. En ce qui concerne l'aide aux communes, nous n'avons pas oublié les communes puisque nous avons acté 120 dossiers pour un engagement global représentant 2 milliards, dont 1 milliard 300 millions ont d'ores et déjà été liquidés, auxquels il convient de rajouter 1,8 milliard du contrat de projet. Pour conclure sur ce chapitre d'une année de gouvernance, je dirais tout simplement que je m'inscris en faux contre ceux qui prétendent que nous n'avons rien fait. Dans un contexte difficile, nous nous sommes attachés avec toute la rigueur requise à répondre au mieux aux attentes de nos concitoyens. Pour ce qui est du budget 2011, le budget 2011, dont le projet sera déposé sur le bureau de votre Assemblée, dans les délais impartis, sera un budget de rigueur et non pas de récession, à ne pas confondre effectivement avec un budget où on pourrait faire des coupes sombres même sur les salaires des fonctionnaires. Une rigueur impérative si nous voulons sortir notre pays de l'ornière, mais une rigueur raisonnée et pragmatique, prenant en compte la réalité de la situation pour ne pas rajouter une crise sociale à la crise économique que nous traversons. Il s'articulera autour de trois axes essentiels. Le redressement de nos finances et de nos comptes, un préalable avant tout. Le maintien de la capacité de financement de nos investissements, nécessaire
à la reprise et à la relance. Et enfin, la protection de nos populations les plus fragiles. Pour ce qui est du redressement de nos finances et de nos comptes, véritable défi, ce retour à l'équilibre de nos comptes publics est le préalable nécessaire pour asseoir notre relance des finances assainies. Nous nous sommes engagés à ne pas alourdir la pression fiscale. Il n'y aura donc pas de hausse généralisée de taux. Pour autant, et pour faire face à nos besoins et dans un souci d'une plus grande équité fiscale, nous avons procédé à l'élargissement de l'assiette de certaines taxes ou à l'instauration de recettes de poche frappant des catégories ou des produits ciblés. Pour ce qui est du maintien de notre capacité de financement de nos investissements, certes, en raison de la crise que nous traversons, et il faut bien le dire, de nos difficultés politiques récurrentes, il devient difficile de trouver les financements nécessaires pour couvrir nos investissements, garants de notre redressement économique. En regard de notre capacité d'autofinancement, nous limiterons volontairement notre emprunt à 10 milliards de fonds Pacifique, permettant de dégager une enveloppe de crédits nouveaux de 28 milliards qui sera abondée de près de 19 milliards de crédits non consommés d'ici à la fin de l'année. Et ce sera pas moins un budget d'investissement de 47 milliards de crédits de paiement en travaux pour 2011. Pour ce qui est de la protection de nos populations les plus fragiles, et en cette période particulièrement difficile, il est de notre devoir de soutenir les personnes et les familles en grande difficulté par un renforcement des solidarités actives, tant par notre système de protection sociale que par des mesures ciblées. Le gouvernement proposera à l'Assemblée l'institution d'un revenu de solidarité active qui substitue la logique d'une démarche d'insertion à la pratique de l'assistanat et du clientélisme. Je m'attarderai quelques instants sur ces thèmes d'une importance cruciale pour l'avenir de notre pays, en précisant d'une part le volet fiscal de ce projet de budget 2011 et d'autre part les mesures de réduction des dépenses de fonctionnement. Pour ce qui est des mesures fiscales, l'un des principaux enjeux de ce budget primitif 2011 est de ne pas alourdir inutilement les prélèvements fiscaux. C'est-à-dire que toute hausse de la fiscalité, que toute économie sur le budget de fonctionnement ou tout produit de la croissance devront servir à financer des investissements productifs, si possible, et non des dépenses de fonctionnement. Par ailleurs, conformément aux engagements du gouvernement, des dispositions qui seront prises permettant d'établir un meilleur équilibre entre fiscalité directe et fiscalité indirecte, avec la double nécessité de plus d'équité sociale pour une meilleure redistribution de la richesse, de plus de stabilité pour les recettes budgétaires, les recettes fiscales indirectes telles que la TVA ou les droits à l'importation étant trop sensibles aux soubresauts économiques. La première décision que nous avons prise dans le cadre de cette préparation budgétaire est d'améliorer le rendement de l'existant en renforçant le contrôle fiscal d'une part et en supprimant des exonérations douanières d'autre part. Le renforcement du contrôle fiscal devrait engendrer un produit supplémentaire de près de 5 milliards. Eh oui. Pour ce faire,
les procédures et les outils dont disposent les services fiscaux seront complétés et simplifiés. Ils seront renforcés par 4 nouveaux vérificateurs des impôts. La suppression des exonérations douanières pour lesquelles l'efficacité n'a pas été confirmée, contrôle inopérant, baisse des prix imperceptible, mesures d'incitation pour favoriser un secteur d'activité donné, on a du mal à mesurer les résultats. Cette suppression pourrait générer des recettes d'environ 1,2 milliard. Il faut savoir que nous exonérons des droits douanières plus de 8 milliards par an, dont 4 milliards pour le secteur des hydrocarbures. Mais tout cela, bien sûr, ne suffira pas. Des recettes nouvelles devront être trouvées pour assurer au budget d'investissement un autofinancement minimal de 5 milliards, en plus du remboursement en capital de la dette qui va s'élever à 9,9 milliards en 2011. Nous allons vous proposer une modification de la réglementation relative à l'impôt sur le revenu des capitaux immobiliers. Il est proposé d'élargir le champ d'application de l'IRCM et donc celui de la CST sur le revenu des capitaux immobiliers aux rémunérations de toute nature des dirigeants non salariés, des sociétés et autres personnes morales. Seraient ainsi exclusivement visés par la mesure les dirigeants qui ont des parts au capital. La contribution de solidarité, la CST, sur les traitements salaires, pensions, rendiagères et indemnités diverses, serait modifiée afin d'en exclure, à juste titre, ces dirigeants non salariés. Cette contribution serait également modifiée pour généraliser le principe de l'imposition des avantages en nature, en le déconnectant des règles applicables aux cotisations sociales. Par ailleurs, il est proposé de supprimer l'exonération d'impôt sur le revenu des capitaux mobiliers que le Code des impôts institue en faveur des produits divers de parts d'intérêts détenus dans les sociétés au nom collectif et les personnes civiles de et les sociétés civiles de personnes. L'application de ces mesures pourrait engendrer un produit supplémentaire de 2 milliards au titre de l'ISCM et de 800 millions au titre de la CST. Pour ce qui est de l'impôt foncier, il est l'un des seuls impôts en Polynésie française assis sur le patrimoine des personnes physiques. Dans un souci de plus grande équité sociale, nous vous proposons de l'aménager. Il est proposé dans un premier temps d'élargir l'application de l'impôt foncier à tous les archipels de la Polynésie française, obligation qui nous est faite par le Conseil d'État. Il n'est pas, en effet, plus justifié aujourd'hui que seuls les habitants de l'archipel de la société sont redevables de cet impôt. Toutefois, la mise en œuvre de cette mesure sera progressive et le rendement initial attendu sera donc très faible et devra s'améliorer au fil des exercices. Pour l'année prochaine, ce produit a été estimé à 10 millions. La deuxième disposition vise à réduire la durée d'exonération totale pour un immeuble neuf qui passera de 5 à 3 ans. Par ailleurs, l'abattement des 50% applicable durant les 3 années consécutives à la sortie d'exonération de 5 ans sera supprimé. Le rendement donc attendu de ces modifications est de l'ordre de 200 millions. Enfin, il est proposé d'augmenter de 0,5 points le prélèvement sur les revenus issus des locaux d'habitation, d'habitation loués et commerciaux pour un produit supplémentaire de 850 millions assis sur une base imposable théorique de 131 milliards. La résidence principale en est totalement exclue.
Pour ce qui est de la CST, la CST ne finance pas directement le budget général du pays. C'est un impôt affecté au régime de solidarité. Mais sa participation à l'équilibre de ce régime permet à la collectivité de ne pas augmenter sa subvention au régime, qui est déjà d'un niveau très important. Le besoin de financement complémentaire du régime pour 2011, à taux de CST constant, compte tenu du montant de la subvention directe prévue, 5,5 milliards, du rendement prévisionnel des taxes affectées et des dépenses prévues est d'environ 2 milliards. Et nous proposerons, dès le 1er janvier 2011, un budget du régime de solidarité en équilibre. Ça n'a jamais été le cas jusqu'à présent. La modification de la réglementation relative à l'ISCM engendrera un rendement supplémentaire de la CST de l'ordre de 800 millions, comme je l'ai indiqué plus haut. Le reste, soit 1,2 milliard de fonds pacifiques, devra être couvert par une augmentation des taux de la CST. On ne peut pas y échapper. Il sera proposé d'augmenter ces taux dans les conditions suivantes. Les salaires inférieurs à 350 000 francs par mois ne subiront pas de hausse. Le taux applicable aux salaires entre 350 000 et 700 000 passera de 3,5 à 4 % plus 0,5 % d'augmentation. Le taux applicable aux salaires compris entre 700 000 et 1 million passera de 5 à 7 % plus 2 % d'augmentation. Et une nouvelle tranche est créée pour les salaires supérieurs à 1 million, pour lesquels un taux de 10 % sera appliqué. L'incidence sur le salaire mensuel variera de 750 francs pour un salaire de 500 000, c'est peu, à 32 150 francs pour un salaire d'un million et demi. S'agissant de revenus non salariés, l'augmentation sera de 2 points. Donc, on va rééquilibrer. Pour ce qui est des plus-values immobilières, je ne fais que reprendre un projet ancien. L'impôt sur les plus-values immobilières n'est pour l'heure applicable que sur les cessions de terrains nus. Il est proposé de l'étendre notamment aux cessions d'immeubles bâtis. La recette attendue sera de 150 millions. Pour ce qui est des navires, nous allons proposer l'instauration d'un droit de timbre en matière d'immatriculation de navires. Il s'agira de mettre en place un droit de timbre lors de l'immatriculation des navires plaisance et professionnelle, y compris les véhicules nautiques à moteur, à l'instar de ce qui se fait pour les cartes grises des véhicules terrestres. Le droit de timbre, compensant le coût du traitement, sera proportionnel pour les véhicules nautiques à moteur et les navires de plaisance en fonction de la coque et du moteur. Pour les professionnels, le droit de timbre sera forfaitaire, il sera de 7 500 francs. Le montant pour un navire de plaisance se situerait entre 2 500 et 30 000 francs pour les plus de 300 chevaux. Le rendement de cette taxe est estimé à environ 8 millions par an. C'est peu. C'est une recette de poche. Pour ce qui est du financement du déficit du RGS, régime général des salariés, notamment dans la branche maladie, je conclurai mon propos sur ces mesures d'augmentation de recettes pour 2011 par les mesures prises au titre du financement du déficit du RGS. Le déficit cumulé du régime sera de l'ordre de 16 milliards à la fin de l'année. Le gouvernement s'est engagé à l'apurer à hauteur de 1,2 milliard par an durant un peu plus de 13 ans par des recettes issues d'une part de l'augmentation des taxes sur les alcools, tabac et produits sucrés et d'autre part
d'un prélèvement de 400 millions sur le produit de l'impôt sur les sociétés. Un compte spécial dénommé Fonds pour le remboursement de la dette sociale sera créé pour accueillir ces recettes nouvelles afin qu'elles soient bien identifiées. A contrario, pour participer à l'effort collectif des partenaires sociaux qui ont accepté des hausses de cotisations et d'importants efforts d'économie, le gouvernement a également décidé de contribuer à l'équilibre des comptes de 2011 du RGS en acceptant ou proposant à votre Assemblée d'exonérer les médicaments de TVA, bien sûr les médicaments remboursables par la CPS. Cette mesure représente un manque à gagner pour le budget de la Polynésie française d'environ 250 millions. Mais cela ne suffit pas, malheureusement, pour équilibrer le projet de budget 2011. Il nous faut réduire les dépenses de fonctionnement. Je rappelle tout simplement que conformément aux engagements pris, conformément aux lettres de cadrage qui ont été remises à chaque ministre, avant même que la mission d'assistance de l'État ait pu démarrer ses travaux et rendre son rapport, eh bien, les dépenses diminueront en fonction des cadrages qui ont été fixés à chaque ministre. Les dépenses de personnel diminueront de 3%. Tandis que les dépenses de fonctionnement courant diminueront de 6%. Et les dépenses de transfert, hors FIP et dépenses de solidarité et subventions de compensation, diminueront d'à peu près 10%. Nous restons conformes au cadrage et aux objectifs qu'on s'était fixés. Pour ce qui est des dépenses du gouvernement, le gouvernement a décidé de participer à cet effort collectif demandé par tous, sous la forme d'une réduction des primes et indemnités allouées à ses membres, à hauteur de 50% de leur montant. 50% de la montant des primes, des indemnités de représentation. Ainsi que celle des collaborateurs de cabinet à hauteur de 10%. Quand bien même cette mesure serait qualifiée de symbolique, elle n'en est pas moins la manifestation d'une volonté réelle de solidarité à l'égard des plus démunis et à l'effort collectif. Pour ce qui est de la réforme du service public, ce chantier constitue la source essentielle des mesures d'économie dans les années à venir et constitue à ce titre un des axes forts de l'action du gouvernement. Ce chantier est maintenant dans sa phase opérationnelle. Un chef de projet a été désigné. Il s'agit du chef du service de l'inspection générale. Elle est placée sous l'autorité de la présidence et sera assistée d'une équipe pluridisciplinaire en cours de constitution qui regroupera des agents de la fonction publique dont les compétences et l'autorité sont unanimement reconnues. Nous avons assigné à ce groupe dédié deux objectifs. Le travail d'analyse en termes de faisabilité et d'opérabilité des préconisations du rapport de la mission d'appui des corps d'inspection générale. L'élaboration d'un cadre technique et du calendrier de réorganisation et réforme proposée. Ce travail doit être rendu fin mars 2011 aux fins de première mise en œuvre dans le courant de l'année 2011. Les services de la présidence seront les premiers concernés et cette réorganisation doit être effective avant la fin du premier trimestre 2011. Parallèlement, nous avons lancé les premières rencontres avec les organisations syndicales afin de définir avec elles les modifications structurelles, statutaires et réglementaires qui s'imposent. Ce chantier, vous l'avez bien compris, conditionne
le retour à l'équilibre qui permettra de redonner à notre pays les moyens d'assurer et de financer son développement. L'engagement du gouvernement dans ce processus sera sans faille. Pour autant, la fermeté dans la conduite de l'action s'accompagnera de la souplesse nécessaire pour tenir compte des implications sociales et humaines d'un tel processus. Nous ne voulons pas rajouter une crise sociale à la crise économique en restant aveugles et sourds aux préoccupations des personnes concernées. Je tiens à affirmer qu'il ne sera procédé en aucune mesure autoritaire et que ce processus s'étalera dans le temps pour nous permettre de résoudre toutes les situations difficiles que nous rencontrerons. La réorganisation nécessaire de notre administration ne se fera pas dans la précipitation et l'improvisation. Je constate d'ailleurs que ceux qui, il y a quelques jours encore, m'accusaient d'être inféodé à l'État et de vouloir mettre à mal notre service public sont aujourd'hui les mêmes qui réclament des mesures immédiates, comme si le changement social pouvait se décréter et s'opérer sur commande et dans l'instant. Nous serons fermes quant à nos objectifs, mais souples dans l'application. Réorganiser et moderniser nos services publics ne veut pas dire que nous abandonnerons les politiques publiques et les missions conduites par les administrations et les satellites recomposés. Certes, nous devons redonner à l'initiative privée et à ses opérateurs la place qui doit être la leur dans la construction et le fonctionnement de notre système économique et social. Pour autant, les missions de service public seront revues à l'aune de la recherche et de l'efficience et de l'efficacité. Le rapport introductif au débat d'orientation budgétaire vous présente d'ailleurs de manière exhaustive les grands axes qui soutiendront l'action des services pour l'année 2011. Je citerai 4 secteurs prioritaires. Comme je l'ai annoncé dans mon intervention à l'ouverture de la session budgétaire, 4 missions seront cependant prioritaires sans que cela emporte qu'elles ne devront pas s'adapter et participer à l'effort de modernisation et de rationalisation générale. Cela concerne l'éducation, la santé, l'emploi et le social. Le système éducatif, au travers d'une loi de pays dénommée Charte de l'éducation, redéfinira ses objectifs de manière à répondre aux besoins de notre jeunesse et de notre pays en matière de formation des citoyens de demain. Pour la santé, outre la mise en route du nouvel hôpital, notre priorité sera de maintenir une offre de soins de proximité satisfaisante, notamment en matière de médecine pour les enfants et les adolescents. La prévention ne sera pas non plus sacrifiée, mais devra s'adapter aux contraintes budgétaires actuelles. Dans les domaines de l'emploi, outre le maintien, voire le renforcement des mesures actuelles sera lancé avec l'ensemble des partenaires sociaux, l'étude des conditions de création d'une caisse de chômage, pour assurer une meilleure protection des personnes ayant perdu leur emploi. Enfin, dans le champ du social, outre un effort très important dans le domaine du logement, sera mise en chantier l'étude des conditions de création d'un dispositif de revenus de solidarité active, associant le versement d'un revenu minimum à l'obligation de participer ou de développer une activité permettant à terme de se substituer aux revenus de solidarité. Tous les observateurs s'accordent à reconnaître, et le rapport de la mission d'appui le souligne à plusieurs reprises, que nous devons nous doter des outils de pilotage de nos politiques publiques. Les schémas stratégiques à court, moyen et long terme devront être élaborés ou développés aux fins d'une meilleure appréhension des enjeux et des situations, aux fins d'une aide à la décision plus efficace. Tous nos secteurs d'intervention seront concernés, de la politique fiscale
à celle du logement, du schéma d'aménagement, à celui des transports, en passant par l'énergie et les grands secteurs sur lesquels s'appuiera notre développement économique et social. Pour conclure, je réitère et réaffirme ma volonté avec le gouvernement de concertation et de dialogue. Le gouvernement est ouvert à toutes les propositions, dès lors qu'elles vont dans le sens de l'intérêt du pays et de nos populations. En dépit de la crise, notre pays a su surmonter les difficultés. Nous le devons aux efforts conjugués des forces vives du pays, mais aussi et surtout à l'énergie, à la sagesse et à la lucidité de nos concitoyens qui ont bien compris que ce n'est pas l'agitation stérile qui permettra de sortir le pays de l'ornière. Les Polynésiennes et les Polynésiens savent que c'est l'effort collectif, le travail et la solidarité qui conditionneront le retour à l'équilibre et à la croissance. Nous ne pouvons les décevoir. Nous devons, en notre qualité d'élus, poser le cadre et les règles d'organisation et de fonctionnement du pays dans lequel nous voulons continuer à vivre, un pays riche de son passé, riche de sa culture, mais ouvert sur le monde et ouvert sur les autres. Un pays qui donnera à chacun de ses enfants, sa place et son rôle dans la société. Bref, une Polynésie dynamique et prospère, vivant pleinement son autonomie au sein de la République française. Ce débat d'orientation budgétaire doit nous permettre de confronter nos points de vue, dans le respect de nos idées et de nos différences, mais avec le souci permanent du seul intérêt de notre pays et de nos concitoyens. Maru, et yamete mekiatu et tatupatu, yoram. Arul Pretri, wa matara te tua tapapara ai te tapura whanhora no te tapura hofa o te matahei te piti tautuni e aruma hoe, e pupu i PLD i a te ruru a te mo Pretri to te mai meri ane hoe harumuniti nauto. Tō tātou ai a harumuniti, taho e rahui rā tere a harumuniti, i ora te whenua a harumuniti, e te mō tia ai tā tarato e pupu e turumuniti. Tā riro i te pupu i ora te whenua, nā oe hamata mai, Sean Christophe Wissu. Maruru mai te pereteni, te hinau nei te iamana o e whātai atu hoa e kitapo o no te rufa, ia oe, no te i e mhana whanau rāno anana hira. E rumei te tui ia oe e tānu atu i tui utuapai. Monsieur le Président de l'Assemblée, Monsieur le Président de la Polynésie française, Monsieur le Vice-président, Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs les représentants, chers amis, bonjour. Monsieur le Sénateur, chers amis du public, de même que nos amis de la presse, je voudrais vous transmettre nos salutations au nom de notre groupe, le Yorot Fenois. Monsieur le Président, notre pays, la Polynésie française, subit depuis septembre 2008 la pire crise économique de son histoire. Celle de 1929, que l'on appelait la Grande Dépression, avait un moindre impact, car la société polynésienne demeurait à l'écart des aléas d'une société basée sur la consommation. De même, le tissu des entreprises commerciales ou industrielles était rudimentaire, voire inexistant. Lorsque nous nous sommes présentés aux élections de février 2008, peu d'entre nous étaient conscients des mouvements, entre guillemets, tectoniques, qui commençaient à secouer les marchés, les structures financières et boursières. En réalité,
La crise que l'on connaît trouve son origine non pas en 2008, mais en début d'année 2007. Certains spécialistes en matière de veille économique, et notamment un groupement très connu sur le plan européen et international qui s'appelle le Laboratoire européen d'anticipation politique, décrivaient déjà à cette époque-là les prémices d'un véritable tsunami financier et économique qui allait engloutir le monde entier. Prédisait même la rupture de valeurs sociétales au travers d'une dislocation géopolitique de portée internationale. La prise de conscience réelle que le pays, comme tous les pays de cette planète, était entré dans cette spirale infernale n'est venue que tardivement. Je me rappelle de certaines discussions avec des dirigeants de banques ou des leaders politiques locaux qui démontraient clairement que les premières secousses de la crise n'avaient pas été prises en considération ou n'étaient tout bonnement pas considérées. Des assertions du type « ça ira mieux demain » ou « on n'en parlera plus dans 6 mois » résonnent encore à nos oreilles comme si c'était hier. Et pourtant, à bien y regarder finalement, la crise polynésienne relève en réalité de 3 facteurs aggravants sévissant depuis les années 2000-2001. D'abord, le manque de vigilance et de clairvoyance de la classe politique et des gouvernants successifs sur le tarissement des effets du modèle économique découlant de la mise en œuvre du pacte de progrès. La deuxième phase d'application de ce pacte aurait dû faire l'objet d'une analyse des premiers résultats et d'une réorientation de notre politique de développement. Malheureusement, cela n'a pas été fait. L'intention était là, rappelez-vous. Puis les effets désastreux de l'instabilité politique sur l'économie polynésienne depuis 2004 et enfin l'incapacité depuis 2005 à redéfinir un véritable projet de société capable de mettre en œuvre un nouveau schéma d'aménagement et de développement basé sur nos potentialités. L'amoindrissement de la capacité du pays à autofinancer ses opérations d'investissement ne date pas du début de la crise actuelle, n'est-ce pas? Les chiffres issus de nos comptes financiers démontrent clairement que la rupture de la séquence du développement vertueux est intervenue dès l'exercice 2001. Les événements du 11 septembre à New York, aux États-Unis, constituent certainement un tournant à prendre en considération. Un autre indicateur objectif est le PIB, produit intérieur brut. Ce qui constitue l'indicateur de la richesse du pays est passé de 5,11% en 2000, en valeur PIB volume, c'est-à-dire en net, à 3,45% en 2003, pour s'établir pour la première fois en négatif à moins 0,43% en 2006. Depuis 2008, ces valeurs successives auront été de moins 2,7%, puis moins 2,3% en 2009. Ça, ce sont des chiffres que j'invente pas, ce sont des chiffres qui circulent dans vos services. La prévision du gouvernement pour 2010, telle qu'elle ressort du DOB, affiche moins 1,2% cette année. Ce sont vos estimations. La projection médiane pour 2011 s'établissant quant à elle à moins 0,5%, c'est ce que vous prévoyez, selon les estimations du prochain budget que le gouvernement compte nous présenter avant la fin de cette année. Les quelques chiffres que je viens de citer sont significatifs de l'ampleur de la crise que traverse la société polynésienne. Ses effets sur l'appauvrissement des ménages, sur la perte d'emploi ou sur le niveau des prestations sociales soutenables pour le pays constituent aujourd'hui des sujets de préoccupation quotidienne de la population. En effet, l'impact de la crise économique est manifestement plus fort en Polynésie qu'il ne l'est en France métropolitaine ou ailleurs dans le monde occidental. C'est dans ce contexte, Monsieur le Président Tong Song, que vous prenez la décision de reprendre le pouvoir au mois de novembre 2009.
en ignorant très certainement l'ampleur de la situation de crise et en pensant que la politique de l'immobilisme vous permettrait de traverser cette période sans encombre. Et là, vous commettez une grave erreur qui aura conduit nos partenaires financiers, comme l'Agence française du développement, à se méfier de notre capacité de réaction face à l'adversité et pousser l'agence de notation Standard & Poor's à nous infliger une nouvelle note abaissée, démoralisant tout nouvel investisseur à avoir confiance dans notre pays. Les mesures courageuses de redressement des finances publiques auraient dû être prises à la fin de l'année dernière. Non pas qu'une révision de la fiscalité à la hausse constituait en soi un objectif louable, mais elle était nécessaire, voire même primordiale au maintien d'une bonne qualité de nos services publics. Elle répondait également au souci de ne pas entraîner de pertes d'emplois massives dans la fonction publique comme cela est aujourd'hui envisagé par le rapport Bollier, tout en mettant en œuvre un plan de restructuration des finances du pays issu de l'expertise commandée auprès des services de l'État et de l'IGF. Bref, la motion de trop est venue plomber encore plus la confiance de nos partenaires économiques et financiers, de même que l'État, dans notre capacité à redresser la barre. 12 mois se sont depuis écoulés. Aujourd'hui, vous vous présentez devant nous dans le cadre d'un nouveau débat portant sur les orientations budgétaires de votre gouvernement pour l'année 2011. Cet exercice difficile mais nécessaire doit vous permettre d'analyser les effets de la conjoncture internationale, puis locale, au travers de ces mécanismes et effets macro- et microéconomiques. Il vous oblige également à procéder à une véritable introspection de votre vision politique, économique et sociale, afin d'en tirer la substantifique moelle nécessaire à la redéfinition des actions à entreprendre. Je voudrais vous dire que votre document ne laisse transparaître aucune vision et ne m'a pas convaincu sur votre capacité à redresser la situation économique et sociale de la Polynésie française. D'abord, parce que la situation alarmante que nous connaissons aurait dû vous inciter à réfléchir sur un plan pluriannuel de redressement et de relance, pas un plan sur une année, et non pas seulement donc sur l'année 2011. À cet égard, le rapport Bollier que vous avez commandé fait bien état de préconisations à suivre sur plusieurs exercices. La modification du cap dans le redressement des finances publiques nécessitant une succession de mesures à programmer entre 2010 et 2014. Mon deuxième point de regret porte sur la forme de votre document d'orientation budgétaire. Il nous apparaît clairement que son élaboration repose, pour l'essentiel, sur un assemblage, entre guillemets, de réflexions et de propositions émanant de vos ministres ou de leurs services sans cohérence entre elles. Il faut lire. Lisez votre rapport. Vous avez 26 pages d'analyse sur le plan macroéconomique, microéconomique, et ensuite vous vous lancez tout de suite dans vos priorités en établissant toute une succession, pour ne pas dire un catalogue, de mesures, et je vais vous le dire tout de suite, que l'on retrouve généralement dans les programmes politiques lorsqu'on se présente à une élection. Il manque à ce document un fil d'Ariane. Oui, vous nous avez parlé ce matin, Monsieur le Président, vous nous avez fait votre discours. Si je posais la question aux classes qui sont ici, quel est le fil d'Ariane du discours du Président? Qu'est-ce qui émerge de sa réflexion en termes de vision politique, économique et sociale? Rien. Donc capable de régénérer la confiance nécessaire au redémarrage économique. Après une première partie, comme je viens de dire, qui porte sur l'analyse du contexte international, local et budgétaire, vous vous lancez dans l'énumération de propositions couvrant des sujets aussi vastes, hein, je vais vous les donner, la fiscalité. Ah, on n'augmente pas la pression fiscale, et par contre, pendant 5 minutes,
vous nous avez donné toute une liste d'augmentation de pression fiscale, particulièrement sur les entreprises et sur les salariés. Alors que vous aviez, vous, combattu le fait qu'on augmente effectivement la CST l'année dernière, n'est-ce pas ? Vous nous parlez de la fiscalité, de la protection sociale généralisée, du soutien à l'économie polynésienne, votre politique de travaux pour le BTP, pas pour le développement économique. Regardez bien le titre de votre chapitre. L'emploi, la politique foncière, la solidarité, la santé, l'éducation, la culture, l'environnement et enfin la politique énergétique. Votre document d'orientation budgétaire ressemble à un catalogue de mesures, à une profession de foi ou à un programme électoral retraçant des intentions sans en définir les moyens. Il ne décrit aucunement vos priorités en fonction des interrogations légitimes de notre population. Je vais vous donner un exemple. Et je vais vous citer en vrac. On ne sait toujours pas si l'on réalise à Taravan une ville nouvelle basée sur les perspectives de développement du port de Farater. Ça, c'est pas votre priorité. Un tel projet permettrait pourtant de rééquilibrer le développement de l'île de Tahiti entre la zone urbaine de Papeete et la presqu'île. On ne sait toujours pas si la route express pour la ville à Taravan constitue pour votre gouvernement une priorité. Et quelles sont les décisions que vous seriez amené à prendre pour permettre sa réalisation ? Ah si, si, lorsqu'on lit à l'intérieur, il est dit « on va relancer l'idée de la route express ». Mais ce n'est pas ça que l'on attend. C'est un engagement fort, une volonté de votre gouvernement. Ça n'est pas une volonté et ça n'est pas une priorité. Quelles sont vos priorités en matière de déconcentration administrative ? Afin de permettre une plus grande proximité des services publics au regard de votre politique d'aménagement du territoire. Voilà une vraie question. Qu'est-ce que vous ferez si vous développez Taravan ? Quelles sont les administrations qui seront déportées sur place ? Est-ce que vous nous dites cela dans votre document ? Nullement. Qu'en est-il du fameux projet de construction d'un palais des congrès ? Mais un vrai, monsieur le sénateur. Pas un petit, pas 800 places. Vous l'avez lu dans le document. Si notre palais des congrès demain, c'est le théâtre de la maison des jeunes et de la culture, écoutez, dites-le, évitez de construire un nouveau palais des congrès. Est-ce que vous pensez réellement qu'un palais des congrès de 800 places répondra à cette exigence d'abord de relancer BTP et deuxièmement de répondre aux nécessités de développement, ne serait-ce que sur le plan du tourisme ? Où on veut avoir, non pas quelques dizaines, voire quelques centaines, mais quelques milliers sur 20 ou sur 30 ans de touristes qui viennent à tenir des conférences en même temps. Quels sont concrètement les nouveaux produits que vous comptez développer afin de répondre au marché cible sur le plan touristique ? Produits, marchés, les moyens que l'on peut consacrer. Bref, je m'arrête là tellement la liste de questionnements est longue et toucherait l'ensemble des sujets de préoccupation de notre population. De même, en matière d'hypothèse de croissance du PIB, laquelle conditionne le niveau de l'effort que consent votre gouvernement dans le redressement rapide de notre économie, vous optez pour un scénario central, laissant augurer une poursuite de la récession, puisque vous escomptez sur moins 0,5% de croissance. Alors, vous nous proposez un projet de destruction d'emplois. Alors, vous avez lu les documents qui vous ont été transmis par le service du plan. Vous venez nous proposer l'année prochaine une nouvelle récession économique pour notre pays, alors que nous devons aujourd'hui répondre à l'exigence de création d'emplois. Vous êtes aujourd'hui au pouvoir et vous avez l'incapacité de ramener ces emplois-là pour les gens qui attendent aujourd'hui. J'ai tort de dire ce que je suis en train de dire ? Il n'y a donc aucun espoir de voir dès 2011 une reprise économique permettant d'assurer les créations d'emplois nécessaires aux milliers de familles polynésiennes dans l'attente. Nous savons tous que le retour vers la croissance s'opère en ce moment dans la plupart des pays du monde, y compris dans notre région du Pacifique. N'avez-vous pas envisagé de surfer sur cette croissance afin de tirer profit d'une reprise de nos activités économiques? C'est simple, puisque
La croissance repart partout dans le monde. Vous surfez sur cette croissance dans les domaines d'activité économique que nous avons au travers de plans d'action concrètes. Alors je me suis interrogé lorsque j'ai rédigé mon intervention, je me suis dit, mais que diable avez-vous donc, pourquoi diable avez-vous donc souhaité récupérer, vous, le pouvoir? Les Polynésiens sont-ils donc condamnés à désespérer tout au long de l'année prochaine? Le message que vous leur adressez serait-il de se reconvertir dans le développement de ces économies parallèles qui tuent les valeurs fondamentales de notre société? Nous craignons fort que votre document budgétaire qui sera présenté à la sanction de notre Assemblée ne se résume qu'à un cadrage chiffré, sans réelles ambitions, de relance de notre développement économique. Nous devinons même que vous poursuivrez le saupoudrage de nos moyens d'investissement, comme cela a été le cas ces dernières années, dans des opérations à vocation politique censées vous permettre de préserver le reste de vos soutiens politiques, particulièrement dans les archipels. Mais vous vous trompez. La population est lasse de voir ses dirigeants dilapider les fonds publics dans des opérations aussi dispendieuses qu'inutiles. Elle souhaite aujourd'hui, plus qu'hier, que l'on réponde à ses besoins primaires en matière d'emploi, de logement, de règlement du problème foncier, de conditions de scolarité dignes pour ses enfants, d'une protection sociale fiable, d'un accès plus libre à la consommation, ou du droit à se mouvoir sur les routes libérées des sempiternels bouchons. La population polynésienne est malade. Il faut être aveugle pour ne pas le remarquer. L'obésité gagne du terrain. Il nous faut un véritable plan Marshall pour lutter contre ce fléau en développant une politique de prévention multidisciplinaire. Rien ne transparaît de vos intentions dans ce domaine, sinon le démantèlement de l'EHPAD et la mise à mort de la maison du diabétique. De même, les jeunes livrés au paca ou à l'alcool nous lancent un véritable cri à l'aide. Des structures adaptées doivent voir le jour afin de permettre une prise en charge de leurs conditions. Là encore, rien ne transparaît dans vos plans. Conclusion, Monsieur le Président. Nous attendrons votre projet de budget 2011 sans espoir, puisque de toute manière, ce terme est banni de vos priorités. Merci de m'avoir écouté. Aruru. Upu tahoe rahu iratira. Kia oena. Maruru me te petitini. Monsieur le Président de la Polynésie française, Monsieur le Président de l'Assemblée de la Polynésie française, Monsieur le Vice-président, Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs les représentants, chers collègues, Mesdames et Messieurs de la presse, Mesdames et Messieurs du public, chers amis, Yorana. Parler du budget, c'est d'aborder l'un des aspects les plus importants de notre fonction de représentant. Parler du budget 2011, c'est parler de l'avenir immédiat et tout simplement de l'avenir de notre pays. C'est donc, à mon sens, un moment annuel important dans notre mandature. À cet égard, je considère que c'est un moment crucial car il peut engager le pays soit sur de bons rails, soit vers la catastrophe. Notre pays est dans l'errance depuis 2004. Plus aucun cap, plus aucune vision depuis cette date. Notre instabilité chronique expliquerait sans doute en partie cette situation. Mais il y a eu aussi une réelle absence de vision chez ceux qui nous ont dirigés depuis 2004, mais je ne veux pas ici polémiquer et désigner les coupables de notre situation calamiteuse. Néanmoins, il y a aujourd'hui une réalité économique et sociale catastrophique que nous ne pouvons pas nier et ignorer. Nous devons tous admettre que cette réalité, car elle conditionne nos choix de politique économique et sociale et donc budgétaire. Avant de dicter les choix d'avenir,
Nous devons tout d'abord être pleinement lucides sur notre réalité pour qualifier et résumer la gravité de notre situation. Je ne prendrai qu'un seul indicateur, celui de l'emploi, ou plutôt celui du chômage. Le chômage est un bon indicateur du niveau de la misère économique et sociale. En tout cas, il est le reflet à la fois de l'absence de performance de notre économie et de la détresse sociale des familles qui subissent le chômage. 65 000 d'entre elles sont inscrites au RSPF. 30 000 et non pas 20 000, 30 000 foyers disposent d'un revenu de moins de 50 000 francs par mois. Aujourd'hui, il est annoncé par les médias un nombre record du stock de demandeurs d'emploi inscrits au CEFI. Le chiffre de 10 000 inscrits est atteint, alors qu'avant 2004, le nombre de demandeurs d'emploi n'était à peine que 4 000. Nous enregistrons donc en 6 ans un gros doublement des chômeurs qui se manifestent auprès du CEFI. Notre pays, notre économie et notre système sont aujourd'hui à bout de souffle. Ceci montre que les moteurs qui ont entraîné notre économie il y a quelques années ont disparu. On nous a parlé de relance depuis 2008. Rien, aucun résultat. Pire, la situation ne cesse de se dégrader. Quant à la situation financière de notre pays, depuis l'instauration de l'autonomie en 1984, elle n'a jamais été aussi calamiteuse. Et si notre économie va mal, cela signifie arithmétiquement parlant que notre système de protection sociale, du fait de son mode de financement, est endetté. L'assurance maladie accuse un déficit de 16 milliards et la caisse de retraite suit le même chemin. Mesdames et messieurs, chers collègues, il est bien clair que notre pays va très mal. Il est au bord du gouffre. Est-ce que le ministre des Finances et néanmoins président fait le bon diagnostic et propose les bons remèdes à l'occasion de la préparation du budget 2011? Lorsque je lis le document qui nous a été transmis, je suis inquiet car je suis persuadé de votre incapacité, Monsieur le Président, à dire la vraie vérité aux Polynésiens, mais surtout de votre incapacité à pouvoir redresser la situation de faillite de nos finances. Alors que la Polynésie va mal, vous évitez encore d'annoncer aux Polynésiens la vraie gravité de notre situation. En étouffant cette gravité, Monsieur le Président, vous assumerez seul la responsabilité d'avoir caché la vraie vérité aux Polynésiens. C'est de votre responsabilité et de votre devoir. Comment pouvez-vous engager une soi-disant refonte du service public si les fonctionnaires ne savent pas dans quel état réel est notre pays? Comment pouvez-vous demander aux Polynésiens de faire un effort si vous-même n'en faites pas? De quoi avez-vous peur, Monsieur le Président? Avez-vous peur d'assumer les fonctions de président? Avez-vous peur de prendre des décisions? J'entends de plus en plus de personnes me dire qu'en fait, en lieu et place de la zénitude, c'est l'immobilisme. C'est l'incapacité à trancher et à prendre des décisions. Certes difficiles et risquées, mais courageuses et indispensables. Dans cette période de crise, plus grave connue, celle connue en 1991, avant que le Tahora reprenne les rênes du pouvoir, vous montrez le visage d'un petit cuisinier de bord qui fait son chapseau tout seul dans son coin. Et non d'un capitaine à la barre qui sait faire avancer le navire vers un cap clair en mobilisant toutes ses troupes face aux vents et tempêtes qui nous assaillent. Vous nous parlez de la rigueur et du redressement des comptes publics. Nous attendons toujours votre plan de redressement de nos finances, Monsieur le Président. Les établissements financiers, les banques, ne nous font plus confiance. Si c'est uniquement pour nous dire que vous avez su équilibrer le budget et que vous êtes satisfait de votre exercice comptable, alors je vous le dis, ce n'est pas suffisant et donc insuffisant. L'équilibre budgétaire, qui est certes une nécessité, n'est pas une fin en soi. Car en lisant votre document,
Vous visez l'équilibre budgétaire tout en conservant les mêmes logiques économiques et fiscales. Pour vous, un budget se résume en un exercice comptable. Or, un budget, c'est l'outil principal au service d'une politique. Quelle est la vôtre? Elle ne transparaît pas. Votre document ne fait que présenter des missions à l'identique de ce qui a été proposé durant les nombreuses années de progrès et de développement de notre pays. Votre catalogue de propositions d'action n'apporte aucun changement stratégique, donc pas d'innovation, n'est adapté à la situation de crise que nous connaissons actuellement. Autrement dit, vous n'avez toujours pas compris que nous avons changé d'époque au travers de nos nouvelles relations financières avec l'État, au travers de la mondialisation de l'économie, au travers de l'accélération du monde numérique et au travers de l'émergence d'une jeunesse polynésienne encore plus ouverte sur le monde, plus exigeante. Pour résumer, Monsieur le Président, n'y a chez vous qu'une seule préoccupation d'équilibre comptable, mais aucun plan de redressement des finances publiques. Et c'est l'extrême urgence qui nous permettra d'affronter les défis, la restructuration économique de demain. Vous n'avez aucune vision de l'avenir de notre pays. Vous ne faites aucune proposition pour offrir des emplois aux chômeurs, des emplois durables, pour le sortir de leur misère, les dizaines de milliers de Polynésiens qui en souffrent actuellement. Votre budget est un budget de routine, Monsieur le Président, un budget non adapté à la situation catastrophique de notre pays. Vous avez cité 4 secteurs prioritaires, l'éducation, la santé, l'emploi, le social, mais ce qu'on pourrait retenir, c'est qu'on ne réduit pas l'enveloppe dans ces 4 secteurs, on les maintient tout simplement, alors qu'il y a d'autres facteurs plus intéressés pour qu'ils puissent maintenir leur enveloppe. C'est notre façon de voir les choses. Donc pour en résumer encore une fois de plus, il n'y a toujours pas de vrai secteur prioritaire. C'est une vision purement comptable que vous venez de nous développer, Monsieur le Président. Merci de votre attention. Merci, bonjour, Monsieur le Président. Yorana, Monsieur le Président de la Polynésie française. Yorana, Monsieur le Sénateur. Bonjour Mesdames, Messieurs les ministres, ainsi qu'à tous nos collègues représentants. Bonjour au personnel de notre honorable Assemblée, ainsi que l'ensemble de la presse écrite et parlée et télévisée. Bonjour particulier à la future élite de notre enseignement, aux élèves qui sont avec nous ce matin. Bonjour. Ainsi qu'au public et les internautes qui suivent attentivement notre séance. Comme ces dernières années, le débat d'orientation budgétaire permet à nous tous, les élus, de faire le point sur la situation économique du pays, avant d'entamer l'étude et le vote d'un budget qui devrait prochainement nous être proposé. Situation économique que je ne prendrai pas la peine d'analyser, et ce pour plusieurs raisons. Tout d'abord parce que j'ai cherché à relire les débats que nous avons eus sur les deux DOP précédents, à savoir 2008 et 2009, et je me rends compte que depuis 2 ans, il est vrai, nous répétons les mêmes messages, les mêmes avertissements, les mêmes déclarations d'intention, et malgré ces répétitions incessantes, peu d'avancées. Et l'on s'étonne des vives réactions de notre population. Certaines interventions faites en 2008 et en 2009 pourrait être reprise mot pour mot, et encore parce que lors des années précédentes, le DOB n'existait pas. Mais l'on pourrait, à mon humble avis, remonter ainsi encore plus loin. La deuxième raison se fait l'écho de ce fatalisme évoqué juste avant. Est-il encore utile d'insister sur les constats, les analyses et les impressions? Nous sommes tous conscients de la situation de notre pays. Ce n'est pas pour autant que certains parmi nous ont opéré un changement dans leur attitude, dans leur positionnement, alors à quoi bon? Et puisque nous partons de toute façon d'une situation désormais connue de tous, je pense, mes chers collègues, que nous aboutirons au même constat, dressé ces derniers jours dans la presse par le président lui-même, si on a lu le rapport Beaulieu, si on connaît la situation du pays,
La marge de manœuvre est de toute façon bien étroite. Aussi, mesdames et messieurs les élus, avant même d'envisager de rentrer dans le détail du don, et au nom du groupe Tout Atouaïa, j'en appelle à la responsabilité de tout un chacun, à celle de tous les groupes composant cet hémicycle, qu'ils soient dans la majorité, l'opposition ou au centre. Il convient que nous ayons tous, sans exception, une attitude digne du mandat qui nous a été accordé. Puisque nous déclarons tous officiellement travailler dans l'intérêt du pays et de la population, sachant ne pas risquer encore plus de couler notre pays pour satisfaire des ambitions personnelles, de jeux de pouvoir pour récupérer un poste, un prestige, je ne vise personne en particulier. Je m'adresse simplement à tout le monde. Outre les unanimités de circonstances, sachant tous nous engager dans une unanimité d'engagement vis-à-vis de notre population, quelle que soit notre vision de l'avenir. Car cet avenir, quel qu'il soit, dépendra de toute façon de toutes les décisions que nous prenons dans les semaines qui viennent. Et quelle que soit l'idéologie qui mènera à cet avenir, elles ne seront pas servies par les comportements que nous avons connus. Oserez-vous encore, lorsque le budget arrivera en commission, nous rejouer des scénarios incohérents, tels que nous avons connus ces derniers mois? Ne profitez pas d'une fragilité politique pour vous engouffrer dans les amendements démagogiques sans avoir pleinement conscience les tenants et les aboutissants de vos décisions, ou si vous le faites, allez jusqu'au bout de vos actions. L'heure est à la conformité entre les discours et les actions. Le temps joue contre nous. Alors aujourd'hui, il est primordial d'agir vers plus de pragmatisme et moins de jeux politiciens. C'est dans ce cadre que nous réussirons à réaliser les objectifs de notre pays en 2011. Objectifs énoncés dans le DOB et clairement inspirés du rapport Beaulieu que nous avons tous en main aujourd'hui. Ces objectifs qui plaident clairement pour une modernisation de notre pays, une modernisation de la puissance publique polynésienne, qu'elle joue pleinement son rôle dans la mise en place des nouveaux outils réglementaires permettant de répondre aux défis d'aujourd'hui et de demain. Cette modernisation inscrite dans de vrais schémas de développement qui engageront le pays pour les années à venir et permettant de réduire l'impact négatif qu'ont eu les jeux politiques de ces dernières années. Mais tout ceci ne se fera pas par la seule opération du Saint-Esprit. Nous avons trop eu tendance ces dernières années à vouloir tout faire par nous-mêmes, à chercher à réinventer la poudre ou le fil à couper le beurre pour nous gargariser d'une attitude soi-disant maori. Le récent débat sur les nominations athéennes en est l'exemple parfait. Nous privons peut-être d'un homme non labellisé 100% maori pour lui préférer des hommes avec une bien moindre expérience du secteur. Il convient aujourd'hui de prendre conscience que bien des pays avant nous ont connu des déboires que nous connaissons actuellement. Si nous avons chez nous bien des spécificités, bien des particularismes uniques qui font notre richesse, nous ne sommes pas un îlot de développement spécifique sur cette planète. Alors pourquoi avons-nous tant de mal à faire appel à l'extérieur pour partager leur expérience et nous permettre de ne pas répéter les mêmes erreurs? Le rapport Beaulieu s'inscrit dans cette optique en suggérant régulièrement au fil du rapport que la Polynésie française, pour la mise en œuvre des réformes à venir, fasse plus appel aux services de l'État afférents qui ont eu à mener de tels projets. Non pas pour nous dicter les choses à faire de façon autoritaire et sans adapter les outils localement, il faut sortir de cette vision caricaturale des relations avec l'État qui ne pourrait être que d'une odieuse subordination. L'État a encore beaucoup à nous apporter, sachant en profiter, pourquoi s'en priver? Nous sommes nombreux à revendiquer que l'État joue pleinement son rôle en Polynésie française. N'est-ce pas là le meilleur rôle qu'il aurait à jouer, usant de son expérience, de ses erreurs? Prenons-les en note et adaptons ensuite nos nouveaux outils. Luttons contre l'obsolescence de bien de nos politiques publiques pour construire enfin notre pays à l'image du monde moderne. La modestie, nous disait La Rochefoucauld, est au mérite ce que les hommes sont aux figures dans un tableau. Elle lui donne de la force et du relief. Tâchons de garder cette maxime au creux de notre esprit lors des débats budgétaires à venir. Je laisserai le soin à l'un de mes collègues d'entrer dans le détail de nos analyses quant à ce DOB. Je tenais en préalable à vous faire part de ces vœux
émis par le groupe Tutatuaya à l'aube de la nouvelle année budgétaire qui s'annonce et à l'aube des débats qui la précèdent. Ils nous apparaissaient fondamentaux et nous souhaitions vous les faire partager car notre groupe se fatigue de ces situations politiques interminables et stériles. Nous comptons dans notre groupe bien des élus qui n'ont pas l'historique de certains présents aujourd'hui dans cet hémicycle. Et nos élus ont rejoint l'Assemblée pour y apporter leur cœur, leur engagement au service du pays. Leurs convictions ont bien été émoussées au fil de ce mandat démarré en 2008, bien des échecs, des trahisons, des changements qui ont fini par lasser notre population. Aujourd'hui, nos élus, notre groupe, sera encore une fois présent aux côtés du gouvernement et de son président pour mener notre pays de l'avant, mais nous le ferons dans un climat politique apaisé, épuré de toutes ces aberrations que nous vivons depuis bien trop longtemps. Je vous remercie de votre attention. Monsieur le Président de l'Assemblée, Monsieur le Président du pays, et Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs les représentants à l'Assemblée de la Polynésie française, chers collègues, et bien, les amis du public, les amis de la presse, les internautes, à tous, Yorona. Alors, passé les déclarations d'inspiration plus politique, je m'attacherai à entrer dans le détail de ce DOB et d'apporter nos observations sur les objectifs affichés par le gouvernement pour l'année 2011. D'ores et déjà, il apparaît que le gouvernement a engagé de nombreux projets pour relancer et surtout consolider, fortifier nos secteurs forces, ceux qui fonderont le développement de nos ressources et le développement de notre économie. J'entends par là le tourisme et le secteur primaire. Le travail est titanesque, mais un certain nombre de dossiers ont déjà bien pris forme dans le courant de cette année 2010. Pour le tourisme, tout d'abord, grâce à la loi du pays visant au développement de la croisière, mais il reste, Monsieur le ministre, à engager sur le terrain toutes les actions visant à améliorer la qualité de notre destination. Faire plus avec les mêmes moyens semble être votre devise et nous la saluons. Mais nous ajouterions faire plus et mieux avec les mêmes moyens. Qu'en pensez-vous? Au-delà de la promotion à l'extérieur, qui mérite sans aucun doute une profonde modernisation, il convient de valider avant tout le concept que nous souhaitons vendre. Tout à chacun y va depuis des années de sa solution clé pour vendre la destination. Promouvoir l'humain, la culture, le calme, l'environnement et bien d'autres encore. Nous souhaiterions, Monsieur le ministre, que vous nous fassiez part de votre choix en la matière, sans aucun doute que les recommandations d'Atout France vous y ont aidé. Car, et je pense que vous partagez mon analyse, ce n'est que lorsque nous saurons parfaitement comment nous souhaitons être perçus de la clientèle extérieure que nous pourrons assurer une promotion digne de ce nom. Une promotion qui s'intègre dans une vision plus globale que sectorielle, ainsi que l'a toujours souhaité le président Thong Son. Vision que nous partageons car Tahiti, ce n'est pas d'un côté le tourisme, de l'autre la perle ou de l'autre encore la vanille. Non, la Polynésie française, cette masse bleue perlée d'îlots, de culture et de richesses humaines, c'est avant tout l'agrégation de toutes ces petites ressources, de toutes ces niches de bonheur et de plaisir que recherchent tous ces touristes de grandes métropoles, un retour aux sources, un retour vers plus d'authenticité, mais surtout la volonté de se sentir particulier, individuel, choyé en tant que personne sortie de la consommation de masse et se fondre dans les plaisirs d'un traitement individualisé. Mais au-delà de tout ceci, le tourisme, c'est avant tout l'affaire de tous et il convient de mettre en place une promotion du tourisme à destination de notre population. Trop de nos concitoyens ne se sentent pas assez partie prenante dans le développement de cette ressource économique fondamentale qu'ils associent trop souvent aux grands hôtels dirigés par ceux que certains au sein de notre hémicycle malheureusement qualifient d'étrangers. Je me souviens d'une campagne en ce sens il y a quelques années, une campagne qui n'avait malheureusement pas connu le succès escompté. Mais il est pourtant clair que le tourisme ne se développera pas tant que la population ne s'impliquera pas dans ce développement. Au-delà des salons de tourisme intérieur, au succès reconnu, c'est donc la sensibilisation de nos concitoyens qui demeure fondamentale. Une sensibilisation qui passe par la nécessité de faire comprendre à notre population la nécessité de développer des productions de qualité. Il ne convient plus de vendre beaucoup de produits sans vision
du développement à long terme. Les Polynésiens, nos concitoyens, doivent être accompagnés dans le développement qualitatif de leurs projets. Ceci est valable pour le secteur primaire. Rendre à notre père ses lettres de noblesse, sa valeur naturelle, en luttant contre cette fraude, véritable cancer de notre économie. C'est aider nos pêcheurs et nos agriculteurs à s'intégrer dans des programmes de développement durable en apprenant à gérer les ressources, en mettant en place des campagnes de pêche efficaces, en développant l'agriculture biologique. Mais ceci est valable pour tous les autres secteurs et l'accompagnement de nos entreprises, de la plus petite à la plus importante, doit être permanent. Sortir des politiques d'aide répondant plus à une volonté d'affichage qu'à un véritable accompagnement. Les mesures de formation que nous propose le gouvernement sont plus que louables, car elles permettront, je l'espère enfin, la mise en œuvre de ce dicton. Plutôt que de pêcher pour toi, je te donne la canne, je t'apprends à pêcher et ensuite à toi de jouer. Voilà une philosophie en droite ligne avec le respect de notre culture et de notre population. Mais tout ceci ne se fera pas ainsi que constaté dans le rapport Bollier, sans que la puissance publique se remette en cause sur son fonctionnement, sur le poids qu'elle fait peser dans l'économie locale. Revoir notre fonctionnement, c'est poursuivre l'effort entamé depuis 2008 par le gouvernement ensemble dans la rationalisation des dépenses de fonctionnement, réduction du nombre de ministères, des membres de cabinet, réorganisation profonde de l'administration pour entrer enfin dans une culture des résultats, ainsi qu'entamé en métropole depuis 2007, avec le RGPP, Révision Générale des Politiques Publiques. Et c'est avant tout, avant toute création d'impôts nouveaux, dont nous savons tous que cela engendre des frais de gestion, l'amélioration de notre fiscalité existante, des outils vieux de près de 30 ans et qui n'ont jamais été réformés. Est-ce l'efficacité de la fiscalité polynésienne? Est-ce là notre vision de la justice sociale qu'une fiscalité qui n'évolue pas avec la société? Nous, nous pensons que non. La mise en place des impôts et autres prélèvements pour le fonctionnement de la puissance publique ont toujours été, dans tous les États démocratiques de la planète, la première étape qui a mené justement vers la démocratisation des systèmes. Après tout, la Révolution française a démarré par une querelle sur le prélèvement des impôts. Si nous ne voulons pas subir une révolution, rénovons nos impôts avant d'en rajouter. C'est ce qu'attendent de nous nos concitoyens, et c'était la raison de notre mécontentement de 2009. Une fois cela fait, le pays pourra se recentrer vers l'une de ses missions premières, l'investissement. Investir pour le développement, investir pour répondre aux besoins de nos populations sur l'ensemble de notre pays. Ça ne sera pas chose facile que de dégager des capacités d'investissement suffisantes pour relancer l'économie sans risquer de l'étouffer dans 10 ans. C'est un vrai challenge auquel nous devons nous atteler. Mais ceci relève d'une obligation incontournable. Ce n'est qu'en nous débarrassant de toutes ces missions nombreuses et variées dans lesquelles nous nous sommes engagés ces 20 dernières années, au lieu de laisser le privé s'en charger, que nous pourrons nous recentrer vers l'investissement. C'est sans cet interventionnisme permanent auquel beaucoup de parmi nous se sont convertis pour des raisons qui, je vous l'avoue modestement, m'échappent totalement. Sans doute le débat institutionnel a privé les groupes de cette Assemblée de la capacité à défendre une doctrine socio-économique cohérente. Là encore, le rapport Bollier nous y invite. Il nous invite notamment à ne pas nous enfermer sur nous-mêmes, à empêcher l'investissement d'entrer chez nous, mais plutôt à attirer l'investissement, à venir et ensuite le contraindre dans sa sortie du territoire, mais aussi cadrer sa capacité à faire tout et n'importe quoi sur place. Encore une fois, notre groupe ne s'en lasse pas. Nous renouvelons notre appel à un droit à la concurrence et à un droit à la consommation. S'en priver encore pour l'année à venir serait suicidaire, car croyez-moi bien, certaines entreprises locales n'ont pas attendu d'hypothétiques et vampiriques entreprises étrangères pour prendre des positions dominantes et étouffer la concurrence au détriment de nos consommateurs, de nos concitoyens. Mais une fois lancé dans l'investissement, en s'étant soulagé de tout ce qui ne relève pas de la compétence de gestion du pays, il nous restera à régler encore 2 problèmes, le foncier et l'environnement. Tous 2 fruits d'une insularité qui se présente comme une chance et un handicap, nous ne pourrons l'an prochain faire à nouveau l'impasse sur ces éléments. Nous nous sommes réjouis ces dernières années de voir que le problème du foncier est pris à bras le corps par son ministère. Mais il nous appartiendra au niveau de l'Assemblée de mener également les travaux de réflexion nécessaires à la mise en œuvre d'une vraie politique du foncier en tenant compte tout à la fois de nos spécificités culturelles et traditionnelles, mais également des contraintes de développement et de modernisation de notre pays.
Ce fameux centre des congrès, véritable serpent de mer de ces dernières années, est d'ailleurs l'exemple type de cette problématique, puisque prévu sur un terrain à Outoumaro, qui fait l'objet de revendications permanentes jusqu'à l'apparition d'un royaume fictif, s'en déclarant propriétaire, il n'a toujours pas démarré. Nous ne manquerons pas de rendre hommage au gouvernement si, comme annoncé au DOM, les travaux démarrent effectivement courant 2011. Ceci me menant à la dernière série d'observations de mon intervention. Car les problèmes de terre, de squat, s'accompagnent malheureusement bien souvent de misère sociale et humaine. La situation financière du pays ne dégage pas des marges de manœuvre énormes pour pouvoir entamer des programmes d'assistance, tels que nous avons connus lors des années fastes. Mais il n'en demeure pas moins qu'il n'est pas dans notre nature de laisser les plus démunis sur le bas-côté quand le pays redémarrera enfin. Le débat sur la PSG nous prendrait une séance à lui tout seul, si nous l'entamions dans le détail. Je m'adresserai donc simplement au ministre de la Solidarité et au président du gouvernement pour leur dire, au nom du groupe Tota Toaia, de mener courageusement cette réforme incontournable, mais de ne pas oublier les plus démunis d'entre nous dans cette réforme. Ne stigmatisons pas tel ou tel partenaire des négociations. Il n'est pas dans mon propos. La stigmatisation de nos partenaires n'est pas dans mon propos. Mais ayons tous en tête, lors de la préparation de cette réforme, que nous soyons représentants du pays, représentants des professions médicales ou des partenaires sociaux, que nous agissons pour nos concitoyens qui n'ont pas eu la chance d'une vie heureuse et sans problème. Dans ce cadre-là, il demeurera incontournable que tout un chacun participe. La solidarité est l'affaire de tous. La solidarité doit être le maître mot de la politique du pays pour l'année 2011. Solidarité avec nos concitoyens de toute origine et de toute classe sociale. Et je voudrais profiter de ces quelques dernières déclarations pour saluer l'effort notable que nos collègues du gouvernement ont accepté de faire. Je ne sais pas si nos collègues de la presse ont bien capté les informations que Monsieur le Président du gouvernement nous a données tout à l'heure, mais lorsqu'il parlait de quoi? De 50% de démission des indemnités de représentation des membres du gouvernement, en chiffres bruts comme ça pour que vous compreniez bien, ça fait quelque chose comme 100 000 francs en moins par mois. Alors je tiens à saluer les efforts. Je crois que ça n'a pas été facile pour que l'ensemble du gouvernement, les membres du gouvernement acceptent ces réductions. Une réduction qui n'est pas d'ordre symbolique, qui est réelle. 100 000 francs en moins. Alors moi je dis franchement au nom du groupe Tota Toaia, mesdames et messieurs les représentants, envoyez un autre message fort à notre population. Quels sont les efforts que nous sommes prêts à faire pour diminuer nos indemnités? Voilà l'exemple, il vient du gouvernement. 100 000 francs en moins. Le groupe Tota Toaia est d'accord pour qu'il y ait une diminution aussi de nos indemnités. Faisons un effort. Arrêtons le chalala, M. Jacques Hydrolet. Faisons un effort cette fois-ci. Hein, qu'il y ait une véritable diminution. Alors moi, j'ai l'impression que nous ne lisons pas le même rapport, que nous n'avons pas écouté. Nous n'avons pas écouté le même discours que le président quand j'entends dire que nous ne faisons pas d'effort dans ce sens-là. Cet effort est réel. La décision, elle est prise. Elle est là. Maintenant, à nous de la voter, de l'entériner. Et après, bon, moi je veux bien que certains nous fassent la morale et nous disent que nous dilapidons les fonds publics. Mais ça me fait un peu mal au cœur quand j'entends ces réflexions qui viennent de la part de gens. C'est pas moi qui le dis, c'est le tribunal qui le dit. Quand il était mis en examen, dans quoi? Hein? Dans une utilisation frauduleuse d'argent public ou fait profiter à certains cette utilisation frauduleuse d'argent public. Alors les leçons, je vais bien les recevoir, mais à un moment donné, recadrons les débats. Alors moi, ce que je vais proposer aux jeunes, parce qu'apparemment, on demande à certains jeunes, d'essayer de trouver le fil d'Ariane. Moi, ce que je vais leur dire, maman, Farou, mec, vous n'êtes pas fou. Ça fait 20 ans qu'on entend certains qui sont là. Je crois qu'il ne faut pas avoir qu'on s'en mêle l'esprit dans des fils d'Ariane ou dans des fils à couper le beurre, mais il y a une autre chose très forte que nous pouvons faire, que j'adresse à tous les jeunes. Faisons le nécessaire pour vos prochaines élections, ceux qui sont là depuis 20 ans prennent votre place et que vous, les jeunes, vous veniez dans l'hémicycle et là, je vous assure, le pays se portera mieux. Dans ce cadre-là, le cadre de la solidarité, il demeurera incontournable que tout un chacun participe. La solidarité est donc l'affaire de tous. Soyons donc tous unis dans ce combat qui est la relève de notre pays, que nous aimons tous à notre façon. Maruru, Maruru Faroname. Maruru Maïta et Bertolan Tane. Vous êtes en forme, M. Bertolan. Monsieur le sénateur. Merci, M. le Président. Cette mesure
Et le discours que vient de tenir notre collègue Bertolon est un discours de démagogique. Mais, monsieur Bertolon, personne ne vous empêche de reverser votre indemnité dans la caisse du public. Qui vous empêche? Reversez vos 600 000 francs, mais lorsque vous reverserez vos 600 000 francs, ne touchez pas votre salaire de douanier par derrière. Hein? Renoncez à toute indemnité. Vous avez vu, qu'est-ce qui va se passer? Ok, renvoyons, travaillons pour zéro sou, et qui va être à votre place? Celui qui vous a applaudi tout à l'heure, le seul, Robert Tonceau, il a 5 magasins, il a des revenus de plusieurs millions par mois. Lui pourra être à l'Assemblée. Qui va défendre le petit? Personne. Il n'y aura que des capitalistes, ceux qui ont les moyens, ceux qui auront de l'argent à l'Assemblée. Cette mesure est une mesure démagogique. Mais, puisque vous voulez jouer le jeu, reversez votre indemnité et refusez votre indemnité. Et là, vous serez sincère envers vous-même. Sans ça, c'est du, comme vous dites, du chalala. Hein? Yémaninia, Madame Tilda Fuller, s'il vous plaît. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président de l'Assemblée, Monsieur le Président de la Polynésie française, Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs les représentants, Mesdames et Messieurs les journalistes, chers amis Yorana. Aujourd'hui, nous étudions le document d'orientation budgétaire qui, ma foi, est bien exhaustif. Il améliore considérablement l'information transmise à cette Assemblée délibérante sur les priorités et les évolutions de la situation financière de notre Fénois. Un document appréciable en soi, car cela fait maintenant plusieurs mois que notre Assemblée se trouve destinataire de textes visant à la relance économique et à la restructuration de réglementations désuètes et inadaptées. Et à ce stade, le gouvernement donnait le sentiment de rogner un peu sur tous les dispositifs à entreprendre sans remise en cause massive. Pour autant, le dogme pose là le dessin de ces réformes nécessaires et rigoureuses qui, sur la durée, s'exécuteront de manière réfléchie et méthodique. Il s'agit certainement de rendre le tout moins indigeste, malgré l'urgence de rétablir une situation financière qui est pour l'instant bancale. Car, après 2 ans de réflexion, d'états généraux, d'audits, il est grand temps de prendre des décisions sur le devenir de notre patrimoine pour une mise en place progressive de projets structurants, générateurs d'économie, d'efficacité, de modernité. Et comme dit le proverbe, chose promise, chose due. Afin de mettre en œuvre les engagements que vous avez formulés à la population en décembre 2009 et pour préparer les investissements d'avenir, nous voilà, aujourd'hui, face à des réformes sans précédent. C'est le véritable enjeu. Un dogme ambitieux qui laisse présager davantage d'évolution. On y détecte du dynamisme pour demain et une réelle volonté politique. Même si pour l'heure, les chantres de la réduction des déficits attendent plutôt de prendre connaissance des décisions pour juger de leur efficacité sur les finances publiques. Ce qui, entre nous soit dit, est beaucoup plus facile à faire. Mais ne perdons pas de vue que ceux-là même devront tout de même se remettre en question.
et prendre leurs responsabilités quand il s'agira de voter. Oui, voter au vu et su d'une population lasse de voir des changements sans que rien n'avance. La question de savoir s'il ne faut pas revenir sur certains des cadeaux fiscaux faits, entre autres, par la loi de pays sur les bateaux à grande vitesse, ou de la limitation à 30% des investissements étrangers qui se sont avérés coûteux et peu efficaces, pour la croissance et l'emploi, devra, à un moment ou à un autre, être remis en question. D'où peut-être une partie de l'explication de l'impasse financière d'aujourd'hui. Pourtant, ce n'est pas faute d'entendre notre Assemblée répéter encore et encore son vœu d'une démarche plus constructive dans l'intérêt général. J'espère que depuis le temps, et vu le nombre de demandes répétées, on verra les démarches de redressement de notre pays adoptées. Car, pour équilibrer notre budget, sans sacrifier l'investissement, ni alourdir la charge fiscale des Polynésiens, nous devrons continuer à maîtriser strictement nos dépenses. D'ailleurs, cette démarche de redressement passe aussi par une réduction des charges de fonctionnement et essentiellement sous l'angle des frais de personnel, étant donné le caractère modéré des autres dépenses. Il convient de substituer à une gestion plutôt administrative une gestion des ressources humaines plus moderne, qui menée avec intelligence et tact humain, peut et doit conduire à une meilleure organisation et permettre à terme de générer des économies. Mes chers collègues, quelles que soient les vicissitudes du moment, les réformes déstabilisantes pour les uns ou prometteuses pour les autres, nous devons garder le cap, imaginer l'avenir, savoir faire des choix, être solidaires, car c'est ce qui a fait notre force et c'est ce qui nous permet d'envisager l'avenir avec détermination. Il n'y a pas dans cet affichage de volonté de provocation ou de tentative de récupération partisane d'une situation dramatique. Mais il est fondamental que chacun mesure pleinement la situation dans laquelle la Polynésie est. J'en appelle à la mobilisation de tous, y compris des élus de l'opposition, dans un réflexe d'union, parce que nous avons l'obligation de défendre les intérêts du Polynésien avant celui des gouvernements, quels qu'ils soient. Je vous remercie de votre attention. Merci. Le groupe UPLD. Tiens, Madame Pierre Rebaud. Merci, Monsieur le Président. Non, Nicolas, là, sur toi, je ne vais pas chalala. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les ministres, chers collègues, nous en sommes donc à la présentation de ce document d'orientation budgétaire. Après avoir entendu les interventions de chacun, je me pose véritablement la question, Monsieur le Président du pays, quel nombre d'élus pouvez-vous escompter pour pouvoir réaliser, ne serait-ce que votre vision de l'année prochaine ? Pensez-vous réitérer ce que vous avez fait toute cette année, sur les 12 derniers mois, en demandant à chaque fois à l'opposition d'intervenir dans vos projets, modifier de fond en comble, et ensuite vous satisfaire d'une orientation qui n'était pas la vôtre au départ ?
Peut-on continuer à gouverner ce pays de la sorte? Franchement, j'ai entendu le discours de certains en parlant de l'opposition. Oui, mais à ma connaissance, l'opposition, c'est ceux qui sont minoritaires. Mais qui, aujourd'hui, est minoritaire dans cette Assemblée? Qui? Vous nous demandez quoi? De venir au secours d'un gouvernement? De modifier de fond en comble leurs réflexions? Alors que par rapport à l'affichage initial, nous l'avons vu dans le cadre des collectifs, nous l'avons vu dans le cadre de certaines mesures. Lorsque le gouvernement, après mûre réflexion au bout de 3-4 mois, nous propose d'ouvrir les CPA aux licenciés économiques et par la venue du Saint-Esprit, en une journée, modification, rejet de la proposition de loi de pays pour revenir sur le domaine de la formation. Est-ce la manière de conduire une réflexion dans ce pays, dans ce gouvernement? Voilà ce quoi nous sommes acculés. Où est donc la cohérence? Je vous dis, Monsieur le Président, honnêtement, y a-t-il une cohérence dans votre gouvernement? Le fait que vous ayez accepté de prendre la position de ministre des Finances, pensez-vous que ce soit la meilleure des choses? Alors que vous devez présider, vous êtes le président, jusqu'à preuve du contraire. Lorsqu'on entend vos propres ministres venir ici et nous dire qu'il y a un arbitrage qui n'est pas passé entre le ministre des Finances et eux-mêmes, alors on s'est tous posé la question. Mais le discours du président était très clair vis-à-vis de ces ministres. Et pourtant, vos propres ministres reviennent ici avec leurs propres interrogations face au ministre des Finances. Je ne crois pas qu'on puisse conduire un pays de cette manière-là. Alors je vous ai écouté, j'ai lu ce document. Oh, vous avez l'art et la manière des petites phrases. J'aurais dit, c'est une présentation académique, peut-être au niveau de la théorie économique dans certains cours qui sont donnés aux étudiants, car on y trouve de tout, et les mots sont choisis. Ainsi donc, je le cite, en conclusion de votre document, vous dites, après une chute de moins de 2% du PIB en 2010, la projection table sur une stabilisation conjoncturelle à biais négatif. Mon Dieu, combien de nos concitoyens vont comprendre cela? Ah oui, je ne sais pas, vous êtes allé chercher, vous avez eu la faculté de ce qui se passe notamment dans les grands pays, maintenant vous vous êtes entouré peut-être des narques, je ne sais pas d'où ils viennent. Et vous voulez nous faire comprendre qu'il faut vous soutenir. Je m'excuse, comme M. Buissou, je ne vois pas d'espérance dans ce budget. Et j'en veux pour preuve. Vous nous avez expliqué qu'en 12 mois, 11 mois et quelque chose, que d'actions vous avez menées. Lesquelles? Mon premier regard, c'est lorsque nous allons tous faire nos courses. Vous voyez ceux qui viennent avec les associations et dire, c'est pour ceux qui n'ont plus rien, donner de la nourriture. Voilà sur quoi le pays est arrivé aujourd'hui. Lorsque tout le monde va faire ses courses, chose impensable auparavant, il y a une multiplication d'associations de ce type, demandant à tout un chacun, non pas des espèces, mais de reverser qui? Un kilo de riz, un kilo de sucre. C'est cela le constat qu'on peut faire. Alors vous avez acculé le pays dans une telle situation. Évidemment que la bonne question... Pourquoi avez-vous donc renversé ce gouvernement l'année dernière? Pourquoi? Pour quel résultat? Pour quel résultat? Si ceux qui vous soutiennent encore, 14 membres, sont satisfaits, qu'est devenue votre belle influence aux sorties des élections de 2008? Vous étiez à la limite de cette majorité. Qu'est-ce qui s'est passé pour que vous retrouviez si peu aujourd'hui? Et vous pensez pouvoir encore gouverner ce pays? Honnêtement, alors on entendra de tout. On va nous accuser de tous les maux. Mais jusqu'à preuve du contraire, je n'ai jamais vu 14 représentants imposer aux autres représentants leur vision. C'est le monde à l'envers dans ce pays. Alors agissez, mon président. Et si vous sentez que vous n'avez plus les moyens, prenez les bonnes décisions. C'est cela. Certainement qu'attend le pays, car vous nous entraînez tous.
Vous nous entraînez tous dans cette situation de déprime et de récession. Vous ne pensez quand même pas, au travers de ce document et de votre discours, que vous avez convaincu les élus de vous suivre sur votre vision pour l'année prochaine? Honnêtement, je ne suis même pas certain que parmi vos ministres, ils le soient également. Et nous le verrons dans les dossiers à venir. Alors, pour citer votre fameuse réforme fiscale, laquelle? Vous réussissez l'exploit de nous expliquer que maintenant l'impôt sur les propriétés bâties dans les îles doit s'appliquer, car ça n'a que trop duré 50 ans de laxisme. Mais vous savez bien que c'est une décision du Conseil d'État. Alors qu'ici même, vous avez annoncé à vos élus qu'ils ne seront pas soumis à imposition. Et quand vous l'a dit, ce n'est pas possible, juridiquement ça ne tiendra pas. Et aujourd'hui, vous dites, ben non. Ce n'est pas vous qui maîtrisez les choses. Vous nous annoncez autre chose, que l'exonération de 5 ans sera ramenée à 3. Pourquoi? Pourquoi? Pour quel résultat? Pour quelle politique? Dans quel sens? Si vous voulez trouver de la recette fiscale, Monsieur le Président, réactualisez la valeur de ces biens. Vous le savez tous, nous le savons tous. Lorsque des logements sur les hauteurs sont taxés sur une valeur initiale à 10-15 millions et qui sont vendus à 160 millions. C'est ça aussi l'injustice dans ce pays. On continue à perdurer. Alors, je ne comprends pas votre vision des choses. Je ne sais pas, on a l'impression que vous voulez aller vers une justice fiscale et justice sociale, mais que vous vous arrêtez. Vous nous avez parlé donc de la reprise du projet que nous avions nous proposé sur la taxation des plus-values. Très bien. Vous voulez mettre en place une politique sur la taxation du patrimoine ou l'appréhension du patrimoine? Très bien. Mais cela ne s'arrête pas uniquement aux mesurettes que vous proposez. Et si vous recherchez de l'argent, envisagez que l'argent qui quitte ce pays, parce qu'il s'est fructifié ici, puisse resservir en partie à ce pays. Mettez une situation de reprise de ces capitaux. Allez-y. C'est dans les journaux, tous les ans. L'argent quitte le pays. Et qu'est-ce que vous proposez? Rien. Alors qu'on sait que cette richesse est construite ici, et construite à tout moment, il peut quitter le pays. Et certainement revenir quand les beaux jours seront là. Alors rassurez-vous, lorsqu'ils reviendront parce qu'ils se disent « maintenant on peut encore gagner plus ». Que proposez-vous là? Rien. Osez le débat. Oui, à l'impôt sur le revenu. Osez-le. À l'extérieur, tout le monde est prêt, tout le monde veut en débattre. Alors de grâce, arrêtons de dire, mais ça va coûter plus cher, soyons plus intelligents. La mécanique, on sait la mettre en œuvre. Mais osez le débat. Il faut que la solidarité des Polynésiens passe, notamment par un prélèvement sur ceux qui se sont enrichis. Ne croyez-vous pas que les dispositifs des lois de défiscalisation ont permis à certains d'acquérir un patrimoine énorme? Non. Vous ne le croyez pas? Il est peut-être temps, à ce moment-là, de rappeler que les aides publiques auxquelles ils ont bénéficié pour l'enrichissement de ce patrimoine, il faut peut-être prévoir qu'ils redonnent un peu à ce pays de la richesse qu'ils ont pu prendre. Alors, sans trop rentrer dans le détail, j'ai lu avec attention votre politique de l'emploi, qui me tient à cœur, comme vous le savez. Dans le document ne figure pas le RMA que vous venez de citer. RSA, pardon. Voilà encore une nouveauté. En revanche, je vois qu'il y a un contrat civique qui, le soir du débat, lorsque je l'avais exprimé, Madame le ministre nous avait dit d'où ça vient encore, de là-bas, qu'est-ce que c'est que ça? Et voilà que ça apparaît. Nous attendons sa définition, notamment à l'adresse des communes. Mais surtout, le grand reproche qui peut vous être fait, c'est que des mesures qui ont été prises en un temps donné doivent être revues. Or, vous appliquez, et vous vous gargarisez en disant « nous allons renforcer les moyens financiers des mesures existantes ». Vous vous gargarisez de la mise en place du chèque service aux particuliers, grâce à votre gouvernement, 10 mois de retard. C'est quand même beau.
Mais quelles sont les mesures nouvelles que vous prenez? Ne faut-il pas les refondre parce que la situation de crise n'est plus la même? Non, vous continuez. Ou vous manquez d'imagination, ou alors nous avons l'impression que la visibilité que vous avez est loin de la réalité du terrain. Alors c'est pour cela, Monsieur le Président, je m'excuse, vous ne m'avez pas convaincu dans votre programme, et l'on verra plus aisément sur la situation du document budgétaire. D'autre part, vous avez l'art et la manière. Je dirais que vous êtes le grand spécialiste des déclarations. Vous nous aviez annoncé la fin des congés administratifs. Je me suis dit, tiens, nous allons retrouver ça là. Plus rien. Alors moi, j'ai appris que vous vous êtes aperçu que ce n'était pas si simple que ça, avant de faire de belles déclarations. Vous nous dites réduction des indemnités des membres de cabinet. Au mois de septembre, vous venez d'augmenter, vous venez de créer une nouvelle catégorie. Bon. Alors on peut se poser la question. Il s'agit de réduire après avoir augmenté. C'est pas mal. Ça peut se faire. Ça, je peux le comprendre. Mais enfin, c'est toute la cohérence. Mais surtout, si vous n'arrivez pas à convaincre, comment voulez-vous obtenir une majorité pour soutenir vos projets? C'est cela la réalité. Alors, si vous voyez que vous n'y arrivez pas, faites acte de courage et soyez un président digne de ce nom. Et retrouvez le chemin des électeurs pour vous donner peut-être une légitimité. Aujourd'hui, vous ne l'avez plus. Alors, allez jusqu'au bout de votre réflexion. Maroun. Allô, Monsieur Antoine Géros. Prétiteni nota pour Arhei. Prétiteni fateri totato fenua. Mon nom prétiteni. Fatereheu. Mote et motuhine. Tuit atirate amuimete vipe. Tainoan tuit mon pape et vea. Far imae totap anoterofai totato farerida. Prétiteni. Toru ohru mateiti. To oe taunoar ai unei. Iarātou? Iarātou pauroa? Tia Roberto Long. A tia turhi ara e te mata ite nei oia. To oe praud atu iarātou e, mi te peu e tamau a outou, i te ie whanaurata outou, e riru anan hei te nun ama ahui, i te aruru, i te tanorima. Wauru a tātou ni te papa i te imhana. Tau i a reo i te mana tātou e o tau. I whātahuri i mātou. Toru ahuru mo teiti. To te imi noar ahi e tra e ia maramara mama i te e o tau. Whanoa ai, whanoa hi a rae rtui tō tātou whenua. O ei te whiwhi anan hei tō tātou nūna. Te ie tau anan heira, ta ue prautura. Nā ora pae te ui api kāro o mai tei. Hamana otura pae ue te tei taurere ea ta pone tō naharere a mai tei tinei. Armai whareri te ie pretiteni. Nō te mea te whaini nera oie te tei prautu i te tōte. I te pēr no te imir a fofa. Tōte. Rutohua tō rātou whenua. Tēnei anihi a rātou i a hare i te ara. E hi o mena whea pa i te huru o te rautira. I te tere a fof artu i trawhenua i trawhenua. Hamonie i rātou i ta rātou whanaora. A eri e tātou tue. Mano hoi pā wae tōna whaihar ai o tātou nei. O hare wharere i o tou. Mono pretiteni pā. Te ie pretiteni. Rātou pa i ni whatere ai te rātou. Te awa e muriho, hau oie e i wharu e tui nua no tei, tui nua tapone, harmai turi i wharere, pretiteni. Te uira at pretiteni, pai te moina, tahatura, mena whea, te prau o te oror afofaru tui tō mātou whenu.
Inha ere tai ona it me papuru ora i te reo marite. Reo tapone hoia, na outro ona ia ia ia, mea huru fifi. Ea tra fifi. Huri te poraro e ti awa nia, na te awa e arata i otu. No te praura pa ia tatou e, i te ie pa imhana. Iahi o oi o tou paurua ere o tou tātahau iti noa. Oriro o tui whatereheu. Te ura o whari o tui te amora i chopo ia. Wamana o tou, me i te ea o tou pene e hua ia. Iit mo whatereheu tau tui mono atu. Te ura te ti ei nei mātou i te iemhana, i te teipu e prau, ai te nene prau hi e prau papa. Hape tu ei paru no te mea me tanori hua e te mana o ta ai whar ortu i te tei mou te ira aoe. Ti aro i papa. Pepeer apa e o te iepere hei ta oto ti aro tona wait ei te mana. Paru no pai tatou e te tei te rira te ie pue paru. O te horo anei te tei mou tareni ta oto e mana anei e whatupu. Pratui te ima tei te e whatatamai nei piti tau tini ahuru maho e. Tei otura voi taua mo praura, e piti inua whaahoho a poto tau e tapea. Tua mata mua, te prauno te umi umira i chamauara tui pu ohupa cheu. Tui chamauara cheu. Ai te prau whaitira e umi umira. No te mea tera umi umira, uha matahi e oie it matahiti piti tau tini e hitu. Or oatura wou ni tūtiar a whātereheu, ahuru ni chanere whātopa, ahuri hi atura mātou i rapai. Armai nei outou, tauhi mene noia. Harer ini ahuru mapiti ni chanere whātopa, tautou ia. Hea tā tātou i tenei wa mara. I ono tātou whāhipar a fōwha anō tau a mataitira, mataiti piti tau tini e hitu, Hanere toru mirioni, miria, e i harmai tātou i matheiti piti tō tini, matheiti ia tāu e prautura, hanere e hitu miria. Wo tau o tau whātopa ahuruma piti ni chanere, pratui tō tau whāhoi para, wo tau mai nia. I te iem hana, te nāo mai rā oe preti tini, a hare ni mano a mūlie, i eho e no teine, Tūraru tui tauroa, pae mataiti. Taunai oe, e ono ni tianere, no te e no mataiti, piti taua tini ahuru maho oe. Te prauturo oe ia oe preti tini, ia oe inu i tramana o. Hani e praupapa mahua te ie, nene ti aturi e tupu o. E ere pai. E ere roatu. E nā te numera whaiti tātou pene ia, mi te peu e hare tātou ni te mano ātara tāpone, a maramaramari pa ia tātou, mi te peu e te rau e topai, pene e watai ni te whaitu e tene ne e topau ahau. E no te hea e tene ne e topau ahau. No te mea o whari tātou, i te ie moture, e o panipani nei ia tātou. I te hare rāni i whanau rāta tātou hei nāroura. Ai ti ātou tātou whenua i ti amātura, e te praunei te ie mau whiwhi, whahepohepo nei te ora rāto tātou nuna, i te ie mana, me rū te praunei te ti amā rāto tātou nuna. Iahi o tātou i praunei te ratereru te tātou whenua. Whari i manihini rā tō rāpai hi haramai o tātou, e turu i prau no te re imira fofoa. Ea tāu i teio, rutu i te iepu e prau. Te haru rā o tō nīt whanau rā te ie tei e te aurera tāti rā pā, Atu France. Te nāo rā Atu France opani, i tāu tau pia i Newterani,
Anira, to outrare yamon toa, to nuterani hopo ya na fe ta to dene e feruri te pro no te fa hotura i to ta to fenua i te pa no te farin i te manihini to i to ta to fenua. Mi te pe tape au to te mo mana te feruri ya te piti ya horu to ati ni kino metra te ate o ta to. O harmai no rato e hope a hepe toma. Harmai proper to rato mana ho i tuai. Hi o tua ye o ofo hi anei rato au re raita. Ea te fofu amata mua, mi te pauhin aro to e amo i te rira. Fatere au, i te pā, no te whare i manihini ai te tātaro te to tātou whenua, te mana ia, i te prauwhati ar ai a rato i te tomo rātoro te uti au to tātou whenua. Ai te rira mana o i mataramai ruto i atu France. Te e tinto mai fifino nei, ai te rawea tara tō visa e whaohi hei ara. Ea te fifino whenua whrani, i nā te armai la rato i o tato. Ea te riari ara rato ai ne, e au ai rato rato i a Paris, aure e au ai rato rato i a Nice, i a Bordeaux, aure te taitu e whenua. Piti a huru taua tini kilometra te atea. Tra uti a tarato e parurura. Ea tō rātou whiwhi. Tō rātou whiwhi? Ia nane au mai te matarara a o tau a pai te pēno te imira. Nō te mea i te tātou hei aro ai rātou. Nō rira rātou e rawe i trapeu. E te e a tātou e whare i noa nei. Nā rirai. Whai tuto noa nei a tātou. Taurumiri i, praprauri i, parautu tomitera teitei tauturu mai pai. A niuniu tu i tvenua whrani, a te tere atu. E hare o wharere i au hi o i te teimo waheine nehe a mama. Nā o no tātou, nā o no tātou, i te tātou nenhe, e horo ai trahuru whanau rano tō tātou no tamari ananhei. Me te peu e tape anō tātou i trahuru portita. Haramai tātou i te parau. Nō te imira e trawe e tatarara e tifito tiare o tō tātou whenua i te pehoara o te whare turuta. Preti teni. Tei o tura o i tāo e mō parau e... Ei, te whāhau ahu mai rāo e te au tāera? O tō o i ti pātai mai? Te whāhau maru noa mai rāo e i tau a whānau rāo. A ti au pai e parau atu e narira tātou te nuna, a ti re, ai te rawe au ahau. Ai te e topatariro ratataroara. Te i e te teirawe anu te tatarara ai te rina, noa tua e uopata i mātou, te whai te tunai mātou, te turura mātou. Ai ta, te rawe rau e te teipe ue, e ue are uwhiri pai. A tūtara nā mō, i o ti e hi o tuai. A mitpe ue ua o tūtara, a tū au i te piti, e te turu e te mā, e tēnā te hupea o au aro o ti. Tērā te manoa bīsū, tātaraho nei. Te hi o rā tauroa o pai. Tērā tātātou me e upai e a tērā tūhamata mua tērā. Tomuri mai, ai te tātou i te ti e tu. Ai te nāna, ai te tātou nehne e patu, i te ora au tō e whenua, ni tū o hi ora tau poto. Pauroa mō ai wānau te haramai, tautou i tono mai, tamātou i tono mai, tarataratou i prauatou i tātou, a hi o i te tei whānau a tauroa. O hope te tau o tono mi, te weira te teirau e mua i tātou. Kia pai tātou e wharona e otu i taraprau, a eri e uhi e otu i tau atu i te tei pā, e oti e erire e huti e te tei parua i not parau atu e iharo atu e tupapau te rira. Ai te rawe av ahau, e waino hoa te au frani e hauti a mā, tauturu rait mo hau atoa. I te e mana tātou, ti roto tātou, te hepo hepo rā. Te nāora te au frani e ti aturi au mai. E atua ia tātātou e...
et tahupu ahunei, et neve ahunei, et faitev ahunei, tout à tout itir aï mouyana. Atia! Amon tohopoya! Te prou, fof ano te tutero te tout à tout fenu, prétitere. Ateira wo itai oeye, nor tomai to tomorima. I trahuru papaira, te parano te aifaitora. Trahu atona tanora. Trara toe papaira i te rira. Vainoa atura onan i te ie mea tapa hopea o te reni papahi. Ai ti pai vaho honu mai te hie tona tatarara amau. Te faite noara o iroto, a te tūra o in e te parau no te whatubu ahura, te aifaitora i te pai o te tutero tui tō tātou whenua. Eha te aura o tau a paraura. Te weira tamatau aura, i uihi ei o tau, eha tō o tau aura i tau a paraura. Mi te pai me papaino aifaitora i te pai o te tute, e fofa a orei e tau a papaira. Ta taramaira o tono te paraura e tarātona whanaura, a ria tātou nehne ai maro. No te mea paurua tara mo papai tāua i papai, mai tā te tei mana o i prau atu. E hamama a au tō tātou nuna. Ai tara o nā, e whaurat mai o tō tātou nuna. No te mea i ara rātou ananei, e moi prau utiha o te hamama i tō rātou a au. E hi tino ho aia i te whiwhi tarato e wharuru nei mō mhanato. I prau ai te iemana, ia papao i te tei prau, whahohonu mai tei. No te mea uhi e roa i tiaru, i tioho a te tei, no te whaiter ae, no te hunar ai ta oi ho. Harmai tu ei, ni te prau o te turur ai te pē, o te emira afof artu i tō tātou whenua, a e reira o tūi e mana o te tātou ara. Tō e whahitit a te parano te pōe, haramai te parano te mea, te mea, te mea, te mea, te mea. Ei, preti teni, ahuru ma piti, whaur a rū tāo. Pertopait mō hapi a tā mātou i hapi, no te whaini ne eit mō upuar a, tēnā ora, toro me tua. Ia hau te ono, tiruto o e te reru. Ia tēni te maha, tano tano iho. Mi te peu e torura, te ria tona tano rama. Ai ohi paru, o puararu. Trata taua preti teni, ia 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 ia. Pahuru mapiti. Pahuru at ohi pa meru. E iahi o wau, rutopait mo opuara aru, whahiti nei o eru tui tāo e mo mana, preti teni. Te nā o rāo e tuo e muaroa, te prauno te hapira. Ei, numera iwa te hapira aru tui tāo e prauru. Nā o mai nei o e te piti, te e aru tui tō tātou whenua. Ei, numera wau. Haramai te toru, te prau no te poritititai, te pē no te horoara a et ohipa i tō tātou motamari. Numera toru, tāoe. Numera pē, rito it ohipa aru. E haramai tōpea, te prau no te horoara a tō tiare, numera hitu ia. Pauroa te rira tiro tō i te whanaora au te reru. Iau, tatarara at mō aivana, ia ham aun e oe e te tei tapura o mō ohipa aru, tāohin arora e amo. I prau ei te iemana o preti teni, a mea huru hepo hepo. Me hepo hepo tā tātou tāpura fofu adot mat heiti piti tau teni a huru maho e. E tēno atu i te parau tā oe whaheti hora, to oe haren a mai, o imi oe trāwe e hia rua atu, e whaahupa i parau no te tute. Muri no mai to oe whaatahuri ei mātou,
Ihat ohi pata ohi dawe. Te heirani ya ohi te imhana. Tara ya ohi te ye deliberation. Eiva ahuruma pepiti hanere aurepa. Te heiturani ya ohi te imhana. Matamua. Roar i te ye. Motino rave ohi pa atheu i te tapeapea. I te ye motino moni e tie e tura. No te mea, na tō tātou nūna hei heiro e amora i te rira. I te ie mhāna, ai te hare hau. Ko hamana au i te rira, te weira te ture ineine no te taeri ai a rātou. I te au ai matamua no te nuare, no te mea ho hope te tau, o te mataitita te ture e horo ana i aoe, mo tino rawe ohi pārtu i aoe, i te hare titaur amai i te ie motute. Nartui te ie whanor a tau i rawe, pene ia, ua ai whaito, i mua i matau, i tau e tapura fofa, no te ie matheti piti tau tini ahuru, e ha matara to tātou nun ai te mau i tua, i te pāna matamua no tenuare, no te ie matheti haramai nei. No te mea i taua taimera, ai te tau e reo ahau. Nā tātātura e pārhe nei o, nāna e whahepo. No te mea te teitua mo tino rawe oipa, tiraro ai tōna mana. Woti tā oe tau, i trawe rā, hoi mataiti tā te ture, poro i aua. Muri mai reira, ere nā oe ahau nā rātou. Eha tā rātou whānoho rā, te e tā tātou i tenei. E haramai rutu i te mūtua whare e haru, i te mea fofa e tōera. E miti peu e ai te pueri rāra, e hareroa ni te whenua e whatuhi ara, taua monun ara. No te praura ai aoe preti teni, e hopoi ahiti rei te i e tāoe a mōnei. E pura i nōr tō mai mātou, whaai tuitu, whaai tuitu. Maruru, Yorana. Maruru. Jacques Kidrole tāne, tia wana. Maruru mai te aite preti teni, tō tātou wharerira i te ienei mhana. Tāstau Thompson, te arofa nei au i aoe. Te arofa nei au ia oe no te mea te imira o i te rawe e au, te pare mōra o i te e teme. Te harura o i te mō haari e painu nei, iha oe ia pare mō. E mitsurura te awe mōra tā oe e au mō nei, mō apu ohia. Ia paraparau me oe to oe mon oe te ia nei pui. Mana on otro oi tō tāua nūna. E irote i te mana on ora, wau i au e i te e whanhora a tāua e whanho nei, e tam a nei te nūna. Te mhana, ora ora i te nūna e ora nei mata ina, ora ora tui te mōmutu. Tō te mea, Nenher i tā rātū e hare tāia. Nenher i tā rātū e whaapu i te teitua. E teie nei whanhora tā rātū e rawe nei, tā teie nūna e rawe nei. Ai taturu tui tā numera tā o tui tap o PIB. Te whatupur a whaufua, tā o ia tā tarara. Ai taterira numera, ai taterira tāpura ahupa. E rutu i te ienei PIB, whaatupura awhuwha. E iai te teiti torotoro rā, nien he te ienei whaito muni, e ra ahia te whaito toru ohuru e mapaini e tānere tere veihohi arei titi. Tō mātou man o rutu i te tapura amui, iariro te ienei tapura awhuwha, no te ienei mateiti piti tautini e ahuru e maho oe, mei tō e tāpura fōwha, e whātupu i te ti amār ārotu i tō tātou whenu. E iahi o i tā o e tatararā, te maunuatura tō tātou arapoa, e te potonuatura te whiwhi o te tā muhiani e i tō tāua arapoa. Whahi o rai tō umanao, i te emhana,
me hau ana o toi te whaanho i te maa e poro hea re rapa i te whaahotu i tō tātou whenua. E ia parau tō ureo i te ienei prau, raveno mai o i te te hoho anō tō e mataiti, te mataiti piti tautini e hitu, wa whaao mai tātou hoi hanere e ono ohuru miria maa, e ua hapono atu tātou i rapa e hoi ahuru e maono miria. Te tārea tātou, te ārea, i rutu i tō tātou taamura, in e i tō rapa. E ua manori iau, e ua haperi pātou umana, o manori iau i te pepe, i rutu i tā oe arataira, e tatarari ime oe e te mautuhua, e ora ora ime i e te whaapu, e te tautai. He ono aturo i tō tātou whaatereho i te pēo te whaapu, mi turura e, me pi ono te ipo uiraru. Tā pōtara, e te ana ana tēra i tā oe orerora. Tau hi ora, wono te tātai hi ora. Ia hio re te traferu rira tāna. Wariro o ia mei tō e moa tiuru, tra moa animara. Tamatara, o tapu o et pererau o tau o moara. No atura o tapu hi et pererau e horo no te moa. Ai tira wai, tapu do te awai. Ai tatura te e moa e nene e horo ahu men e no. E ai ki e rau ai, tapu roa te rapo. E hupa ia ta oe rewe i te pēo te whaapu no te mea. E rutu i tera puta ta oe o te imerihe te oa DOB, document d'orientation budgétaire. Ia i te o, e piti noa reini no te whaapu. Patre hau, whari ane oe i a whanohia e piti reini rutu i tera reira api. Ai tu et awa hau e efe api ta oe i whanho, pae ahuru mahitu api, e piti reini no te whaapu. E irutei tawa reini ra, e whirurihi a te prau, na fea i te whaatoro i te promo, na fea e whaatoro i te pape, e na fea e tāma i te whenua. Te ui nei au, nā teie anei piti reini e whaati a mai tō tātou whenua, Orera, me whirurihi a hoa, i hato tātou whenua i a hotu. Te ui nei au i tō tātou whaterehau, whaterehau. A whea tā ua e opere e te whenua o te tātai hinaro re whaapu, i te heiti nei. O maiti hea waru te te tomite e te apa e pererara, tai mei te emhana, ai tu i te mei te pētu whenua tra tomite. Patrehau, a whea tāua e wharere i e, no te opre te whenua, nā te tātahi nāro re whaapu, no te whaahotu i te whenua, no te whaatam ai te utua whare. Tra te uira, e toru hanere tā e weire i tarawa, me e ei tō papara, me e tō pueu, me e tō tautira. Parauno ana wo i te parauno ni amatai. A hani au e tua tapapai te parau no te teatuma whenua, me inoro atu ia. Te waheia o tāu e man on one. Nā mua, o pūpaia. Nā mua i te whātām ai te nuna. I whaidihi ana tra hohoa o tu mautata, e hērera e taparu i rutu i te mowharetoa, no te whātām ai te tata. O i te au, e punu puatoro, e punu sao. Ai tāne o tuene nei whānoa i te whānoa rā e opere i te taro, te maia, te uru, te mao te whenua. Ai tāne nei nei whiruri i te whānoa rā, e ihe whā hohonua tua te apo, e hare i te mowharetoa, o rātou te i e ona nei, rātou te i e fofa nei, rutu i te whātere rā o tā o tu e whātere nei. Tōmā tōman or hei, Gaston Thompson, te hapero e te eata o e hareira. Ai tō e wherurira i te parau o te orara o te nuna o te mumhana atoa. Te hapero e te parau no te tautai. E mea tano atoa. Ia wheruri tā tōra te te whanhora o te tātō orara i te pēo te terehara fofoa. Ia hap i atoa tātō i te tarani. Ua tai te tau no te tarani.
Tarani i te poroira i te maira pai. E mono te maatata te poroira i pai tatatum atumu. Aitara o e horo ora i te rāwhea, roto i te mutata, no te whahotu i to tātou whenua. Ua prahuia te mhana e hapu e tātou ni i te whaari i rā manihini. Te itera tātou i te monumera. Te harera ane tātou i te teiwhai tō maitei, aurera aita. E, ia oera e. Te wahewhiwhi rā, te whea e rawera roto i tau atu ara. Trae maui uira. Trae maui uira. I tae mei nei te iepeupe i te tei rataratu i te urima. No te tei whea no raro matai. Trae eririra. I tata tō te ie te manurewa e teiti. Ia whātupu rato i tā rato whaitei te rā no te ho i tā rato mō utua whare, mea hotera utua whare. Aita te ienei te ete e te heiti e whaari e wha āno i rutoi te ienei tau. E hati mei wharohia, no te hoi rāo a, pēhuru manurewa hau ti whātahia no te are i tō oto mō pai whenua. E te mō hotera, ti hia rātui te veira. Ti hia rātui te veira. Wa tai mei te ie rata, me ruto mai te mō hotera utua whare i rutoi tō ori mai te ipepeu. Ai tō e mana ai parau atu. Nā whera tātou i te whiruri te te whanhora, i anhenhe te ienei whaura o manurewa erdheiti, i hawhofa te hotu o te whenua, i roto i whaari rai te mō manihini, o e horu toa, i te pai a erdheiti nui. Ai tamato i tenei, i roto i te ieputata oe, te teimo awa ia, anhenhe e mātou e ananatai. Ai tato mātou e mana ai ananatai arei te iehuru paraparata oe, Eite e nei. Ia taite te me whātai mei e oe rutu i tō mātou rima, i tā oe tāpura hōwhā. Ia taite te me trai e oe, i rutu i te mau whātarehau, me te whātarehau no te whāapu, me te whātarehau no te pēl te tautai. I te mau rāwe anō te whāhotu i te whenua. E mana oe whāri i mātou i te reira? E re nā te e ahuru maha maha mero, e ape nei a oe i te e mhana e, e turu, e rau e ia ratou ana. Te whātura atu nei mātū i a Bertola o mā. Āmo te hopo ia. Wariru ane te ahuru maha maha e pērhe rutu i tō tātou whenua. Nene ane tā oe te perititine e whāro i te reo o te pērhe i rutu i te whare aporārhe. Nene ane e aurera aita. Hariri ia tō mono ni i tō mana o Pierre Fribo. Nā mātou no ia rutu i te whare aporārhe e tata ei tō mauhape tā oe whātai mei mōi mātou. Watai pāi te teme, periti tēne. Watai pāi te teme, whahoi oe tō oe ti ara. Te rira parau pāpū, whahoi oe tō oe ti ara i te mhana. Mā te whai te mōi te aro te nuna, i te hoa te hupa maraia oe te rawe. E ia whātēre no atua oe, te omo no atua oe ia tātou iro tuiti ap o. Ai tātou mātou e man oe tu atira i te ienei whanhora ata oe, tiro tuito o tō rima no te mono mai ia. Tiro tuito oe rima i te imhana. Oe te oe ai tata oe pērhei waho, tiro tuito oe rima no te whahoirai eito oe ti ara. Weho, weho trate o teiti, weho, whātura. Whaea, mono mai te tei preti tini api, nāna e aratai tō tātou whenua i te tei e ahuru pāpūr i no te nuna maohe. Te praune tātou i te prau te nuna maohe, te nuna e oranei e te e whenua, o ia te whatu o te whenua. Te mhana, te rei rauta o tō mō whaotira. E ti aturi i tō rāpae. E iaore tō rāpae hina aroi horo o mai. E o tātou rutu i te tau, e aura aprau vive. Tō mātou mō nā rotu i te tāpura āmui, ia whaitui tū hia tūtū o te whenua. E te hiu atu nei mātou e rotu i tā oarata i rā, aita oi reira. Aita oi reira. Aita e aita roatu. Ia taite te meno te tāpura fofa, e horo atu mātou i tō mātou mō nā hohonuro. Ho e tuho a tā oi orei prau prau. O tā oi hina arore, e ui a oi te ia teme. Oi te ane oe. E te manone iau e ue i te oe. Me arhei e te moni,
o tatmo atai fatu ahia rutu to tatu fenua re reito rapa e o momo i rutu to tatu afatai te fari a manhini me arai e tarato i tate fari a manhini te vera ane te te feruri ra rutu o to ni te nei huru tata ai tatu mono ai parore turu i poru tatu i rira e fofara tra e venei rutu to tatu fenua Iroto ya tato et mot atano rafae harmere one. Tini atu oia ite faito moni o tato mo manihini e afai maine ertu ito tato fenua. E uira no te ie. Aito i faro ertu ita o erorero a. Te vera ho e tuha no te au purur aite ene feia. O te iriro i fofa ato ana tato. Fofa ite peot ite. Fofa ite peot fofa atarato et umainei. Iroto ito tato ora a fofa. Aitamatu i faro ite rira. Amanihinit a ea tui ta oe mou paripari. Aitamatu i faro ite pe o te ienei feia. Et unei tarato fofa roto ite ora rato tato fenu. Norira, ia taito na taime. Na tato ehi opua. Na tatu e hio te wahai, irira tatu e mauai, no te meit e o te orara o te ene whenua. Tarari iti perititeni, te manao e vei nei tui matu te tapura amui. Maruru, yoran. Maruru, yo te whare retane. Maruru e periteni, whare mei ke tapu o te aruho. Te aruho e rai, periteni o te whenua, mono periteni na whatrehau, te natu te hei o te aruho. Tō whā noa tu e ua haere, tātou wā atoa, te aru whai arhei, te aru ar au te iam hana. Whāro rō noa e voi ke tā atoa ar au te mō mon o, mei te mon o mā tamua Jean-Christophe te e te mon o a Jacky, wiwi noa e voi awe, e hā te tumu prau tāu e nen he prau prau atu tātou. Ini ei te ie māro ar a prau, nō te mō opu ar a, whānawai rā fōwha, nō te matheiti titi tautini ahuru mahoe. Yawehi o tautara mono, tau te uhua hua rā i te ie mō parau pē horu maono api. E toru tōngu parau fōwha. Fōwha tirei. Te tupu i te iho mat hei te piti tautini o horu, ai ti papaihi arto i te parau. O muahi. Pene e pā war ohi a tātou taramu ai. Amnesic. Pene e, ai tu ite. Weui no turu o ia wau e hui e, na whea pai tatu. Me au roo te mo mono ato o te ituhi moi. Na au turu ah, e horo o i te o mo mono in e nga tumu prau e toru te imo ohi. Prau matamua, te matheiti piti tautini eiwa, wa Whaoti te i whaatare hau o te hau wharani. E whaite i mua i te ara o te ene o ta ato. E i mua i te ara o te nun a maahoi. Wahape oi. Wahape e te hau wharani nā toru ahoru mateiti. Tōna atupu noa rā i te tamatara atu mi o tato. Nā roto i a te opua rā te rawahi a te whaatare hau mōrai. I maro prou ei tātou te roa rao te e matai te piti tautini e iwai mēri ane e manamene te e ture. Matai te piti tautini e ahuru. Noa tu e ahuru mā au mai ane. Ta te e ture e ite nei. E te tumu o te e mau mai. Me nārto mai te mau tamatara atumi. Noa tu tara ane ahuru mā au. Ua manara. E te e mahana. Ai te roa tu oui, te ono ai, whar ono ai, te rai hi ai ai, vairar tu i te tia o te hau whenua, te pretene e te mou whātare hau. E ani bai ki hau whrāni whāhau mai. Te muni o te iha mau ahi ai te awhata turu uta. Ini anoa, te rana ahoru mau au mai te i te hia. Po i te oe pretene. Tō tātou wharerei tino rā. Ia Mario Lusponsa. E te tomi te rātetei,
Madame Manute Yagami. Maruru Pletitini, Tato Patoa, Yorana. Monsieur le Président de la Polynésie française, au ministre présent, mes collègues, à tous ceux présents dans cet hémicycle également, qui nous suivent certainement par le biais d'Internet, Yorana. Je voudrais juste apporter mon analyse sur le document que vous avez bien voulu nous faire parvenir, Monsieur le Président de la Polynésie française, sur les points positifs et également sur les points négatifs que j'ai retenus. Sur les points positifs, c'est bien évidemment cette volonté qui se formalise par ces écrits d'endiguer les dépenses de notre administration pour aller vers plus d'efficacité, plus d'efficience de notre budget. Ceci dit, le bémol que j'aurais apporté par rapport à vos prises de décision sur ce volet, c'est, Monsieur le Président, par rapport aux chiffres que vous nous avez transmis, notamment certains graphiques, qui portent sur l'utilisation des fonds publics par les SEM, les établissements publics à caractère industriel et commercial et à caractère administratif. J'aurais tendance à vous dire oui à la rigueur mise en place dans les administrations, mais il ne faut pas non plus que ce soit les fonctionnaires et les services publics qui pâtissent directement de cette rigueur. Moi, je souhaite qu'un grand coup de balai soit vraiment mis en place au niveau des EPIC, des établissements publics à caractère administratif, mais également des SEM qui aujourd'hui pratiquent un fonctionnement qui est relativement opaque et qui en plus s'auto-octroient des rémunérations qui sont bien supérieures à celles des ministres. Pour certains qui ont des rémunérations qui sont le double ou triple des ministres de notre gouvernement actuel. Donc quand on parle de remise en cause du système, n'oublions pas aussi tout ce pan qui est un petit peu mis de côté et ne mettons pas sur le bûcher de la rigueur nos fonctionnaires qui sont pour beaucoup très motivés et qui travaillent au sein de nos administrations. Le deuxième point que je voulais aborder sur les points positifs que j'ai pu lire dans le DOB que vous nous avez transmis, c'est la prise de conscience de la réalité des très petites entreprises. Aujourd'hui, en Polynésie, on le sait, le tissu économique, pour rejoindre un peu ce qui a été dit par mes collègues du PLD, et a été pendant longtemps soutenu au niveau des investissements à très gros budget, avec des défiscalisations très importantes, pour finalement très peu de retour au niveau de l'emploi. On se rend compte, en analysant notre économie, que les très petites entreprises font partie intégrante de cette création d'emplois, et il suffit de se pencher sur ispf.pf pour voir l'impact au niveau de la création d'emplois de ces très petites entreprises au niveau des déclarations à la CPS. Donc ça aussi, je trouve que c'est une bonne chose et je vous incite à accompagner ces très petites entreprises et d'ailleurs les petites entreprises en général. Le troisième point positif que je vois dans ce document qui nous est proposé, c'est la prise en compte de la réalité agricole et par rapport aux propositions qui sont faites d'étendre les parcelles agricoles. Moi, j'attends vos orientations budgétaires pour voir comment ça va être finalisé, parce qu'à mon sens, il y a un certain nombre de terres domaniales aujourd'hui qui sont inutilisées, qui devraient faire l'objet de parcelles de terres mises à disposition des exploitants agricoles. Tout à fait. C'est pour ça que là, on est là. J'ai relu le document qui a été transmis. Ce document doit servir de base au débat d'orientation budgétaire, donc c'est pour ça que je demande à Monsieur le Président aujourd'hui de mettre davantage les moyens sur ce point-là. Je te rejoins, Jacky Drolet, quand tu dis qu'il n'y a que deux lignes dans le document. Ben, j'espère il faut que dans le document budgétaire finalisé pour 2011, au-delà des lignes, on ait les budgets correspondants et des budgets conséquents. Le dernier point positif, et bon, je pense qu'il y en a d'autres, mais ce sont vraiment ceux qui ont porté toute mon attention, concerne le logement, notamment le logement des jeunes, les jeunes couples. Je vois que vous avez l'intention avec la ministre en charge du logement de faire en sorte qu'il y ait des parcelles qui soient mises en place pour des jeunes couples, des parcelles de terre pour de la construction
avec des prix beaucoup plus abordables. Donc moi, je vous incite à aller plus loin à ce niveau-là, parce qu'aujourd'hui, un jeune couple qui se lance, qui veut construire un logement, il se retrouve avec des parcelles de terre qui coûtent pour 500 mètres carrés jusqu'à 15-20 millions de francs sans avoir construit. Et aujourd'hui, c'est une réelle difficulté, ce qui a pour conséquence que beaucoup de jeunes couples qui pourtant travaillent sont obligés de vivre encore chez papa et maman ou alors de louer de façon indéterminée un logement qui leur coûte cher. Sur les points négatifs que j'aurais à aborder sur ce document, et le plus important, c'est sur le coût de la vie. Je ne vois pas de ligne concernant la baisse du coût de la vie en Polynésie. Je pensais que c'était une priorité de votre gouvernement, Monsieur le Président, et je ne vois aucune mesure dans ce sens. Alors peut-être que ces mesures ne sont pas mises en avant et qu'elles font l'objet de petites mesures qui figurent dans différents paragraphes. En tout cas, l'esprit ne ressort pas à ce niveau-là. Le deuxième point, c'est quand vous parlez de 1,3 milliard pour la Maison de la Perle, je suis moi-même administrateur du conseil d'administration de la Maison de la Perle et je souhaite qu'on oublie cet investissement, qu'on le mette de côté et que plutôt qu'on mette 1,3 milliard dans un bâtiment, on mette 1,3 milliard dans la production et dans l'accompagnement des perliculteurs pour sauver la filière. Parce qu'un beau bâtiment, c'est bien joli, mais derrière, si on ne peut pas sauver les professionnels, ça va être difficile de valoriser leurs produits. Troisième point, et là, c'est peut-être aussi parce que le statut d'autonomie nous oblige, et vous oblige surtout à nous produire un document annuel, sur une perspective annuelle, plutôt qu'une perspective pluriannuelle. C'est peut-être là aussi qu'il faudrait revoir le fonctionnement de nos institutions, c'est par rapport à la construction de lycées. Aucune mention n'est faite sur la construction des lycées à venir. Donc le ministre de l'Éducation nous avait informé que le lycée de Moréa était en cours de construction, en tout cas était dans les tuyaux. J'en profite de mon intervention d'aujourd'hui pour porter à votre attention, chers collègues, la difficulté rencontrée par nos ressortissants polynésiens qui sont des archipels éloignés, des Tuamotu, des Marquises notamment, des Australes, où aucun lycée n'est mis en place. Alors vous allez m'opposer le fait qu'il n'y a peut-être pas suffisamment de population, il n'y a peut-être pas suffisamment d'élèves sur place. On se rend compte quand même que les élèves issus des îles sont très très importants sur Tahiti, et malheureusement, tant qu'on ne réglera pas l'implantation de ces lycées de proximité, eh bien, nous aurons un exode de plus en plus important sur Tahiti. J'en veux pour preuve encore, il y a une semaine, quelqu'un qui m'a appelé pour me dire, voilà, nous on vient des Tuamotu, on va être obligé de s'installer à Tahiti parce que nos enfants viennent au lycée à Tahiti. Et est-ce que c'est ce qu'on veut? Puisque nous avons la possibilité de faire financer ces lycées par l'État, moi je souhaite que nous puissions demander à l'État au titre de l'éducation gratuite pour tous les Français, donc nous sommes encore Français aujourd'hui, je souhaite que nous ayons cette égalité d'accès à la formation, à l'éducation, et de faire en sorte qu'un Marquésien, quelqu'un qui vient des Australes ou quelqu'un qui vient des Tuamotu, ait les mêmes chances d'aller jusqu'au lycée, d'avoir au moins son baccalauréat, pourquoi pas d'aller vers l'université par la suite. Donc voilà les remarques que je voulais vous faire, Monsieur le Président. Et en conclusion, dire que j'attends également que la liste de vos propositions faites par rapport à la politique foncière soit formalisée au niveau du budget à venir par le vote de lignes budgétaires correspondantes. Aujourd'hui, trop souvent, moi je l'ai vu quand je siégeais à la commission d'attribution des farés délivrée par l'OPH, trop souvent, les gens qui sont mis dans des logements sociaux sont propriétaires fonciers en indivision. Tant que nous ne réglerons pas notre problème d'indivision, que nous ne mettrons pas les lignes budgétaires, l'argent pour aider ces familles à se sortir de l'indivision, nous aurons les mêmes difficultés. Je trouve anormal qu'on parte, entre guillemets, des familles qui sont propriétaires terriennes sur des lieux qui ne sont pas les leurs et qui sont destinés à des gens, finalement, qui, eux, n'ont rien. Donc voilà ce que je voulais vous dire, Monsieur le Président.
en disant tout simplement que j'attends beaucoup de votre budget 2011, que je me positionne en force de proposition, que bien évidemment ce que vous proposez fera l'objet de discussions au sein de cette Assemblée. Et pour rebondir sur l'intervention de ma collègue Tilda Fuller, j'en appelle à la solidarité et au patriotisme polynésien pour que tous ensemble nous puissions travailler pour notre pays et voter un budget qui soit à la hauteur des espérances et des attentes de nos Polynésiens. Maruru. Maruru, Prétitini, Eruotra, Tiaoena. Maruru, Maïdai, Prétitini, Yahoïto, Emon, Mehururoa, Jatarawa, Aruaroa, Tapahonur, et tout à tout moment, on va nous apporter un amour à la fin de l'année, on va nous mettre un moment à la fin. Monsieur le Président, je n'ai pas dans l'intention de répondre mot à mot aux interventions des uns des autres, venant des groupes différents, même à titre individuel. C'est vrai, bon, nous sommes encore au stade d'un débat sur les orientations budgétaires. Il est tout à fait normal qu'on n'aille pas dans le détail, action par action. Mais j'ai quand même livré, en plus du document d'orientation budgétaire, dans mon intervention, quelques chiffres, quelques pistes qui vont nous permettre de présenter le projet de budget 2011, qui sera remis à votre Assemblée avant le 15, au plus tard, en tout cas, le 15 novembre. Il n'est pas question pour moi de dire que vous avez tort, vous avez, et vos critiques sont malvenues, au contraire. Un débat d'orientation budgétaire est fait pour que chacun s'exprime. Bien sûr, on n'est pas tous d'accord. Mais le gouvernement estime que ce que nous proposons là est le minimum. Et le minimum qu'on peut le faire, car bien sûr, on aurait aimé vous présenter un schéma directeur de développement économique, social et culturel, adossé à un schéma d'aménagement général du pays, un schéma directeur des transports, un schéma sur les politiques sectorielles dans les domaines de l'eau, de l'assainissement. Tout le monde sait aussi des documents de cette importance ne se font pas en peu de temps. Et vous avez remarqué également, je ne cite pas à tout bout de champ le rapport Bollier. Bien sûr, avant même que la mission Bollier ait rendu ses réflexions, son analyse, nous avons travaillé ces deux documents élaborés en interne. Je vous renvoie au RIF. C'est un document réclamé par les bailleurs de fonds en début d'année, où nous essayons de projeter le pays sur les 3-4 ans à venir. Et je suis heureux de constater que la mission d'assistance des inspecteurs généraux ont repris les grandes lignes de ce RIF. Le RIF, c'est renseignement d'informations budgétaires et financières. Voilà, donc c'est pas moi qui ai dit, dans une des conditionnalités du prêt que nous avons différé en 2011, qu'il fallait demander à l'Assemblée de voter un projet de budget 2011 conformément au cadrage que le gouvernement a fixé. Et pourtant, ce cadrage a été élaboré au mois de juillet 2010. Le rapport Bollier a été déposé au mois de septembre 2010. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est simplement le cadrage proposé, et d'ailleurs les orientations budgétaires respectent ce cadrage. Répondre aux grandes préoccupations de la mission d'assistance des inspecteurs généraux. Bien sûr, on peut ne pas être d'accord sur les hypothèses nous ayant permis d'établir le projet de budget 2011. Le taux de croissance, j'ai vu que
Certains disaient, bon, vous vous installez dans la crise parce que vous ne prévoyez qu'un taux de croissance de 0,5%. Enfin, j'ai dit que c'est toujours mieux que par rapport au, à moins 2,3% de 2010 et 2009. Donc, on sort de la décroissance. Ce serait prétentieux pour nous de dire on rentre dans la croissance. Pour vous dire que nous avons adopté des hypothèses prudentes. On pourrait effectivement, je peux aussi afficher une croissance de 2 ou 1, 2%, on n'aurait pas besoin d'augmenter certaines fiscalités. Non, je veux jouer la règle de la transparence. Bien sûr, on peut me dire que je ne dis pas la vraie vérité. Quand je dis que ça va mal, est-ce que c'est pas de la vraie vérité? Quand je dis que le pays a besoin d'assainir ses finances publiques, de prendre des mesures certainement impopulaires, est-ce que c'est pas dire la vérité? Quand lorsque nous disons, comme pour 2009, il faut surtout pas tomber dans le piège d'une augmentation généralisée de la fiscalité, parce que nous ne sommes pas totalement sortis de la crise. Est-ce que ce n'est pas dire la vérité également? Voilà, donc, sinon, je ne sais pas dire autre chose. Et lorsque nous voulons publier le rapport Bollier, rendre le rapport Bollier public, est-ce que ce n'est pas jouer le jeu de la vérité de notre situation? Sinon, j'aurais caché une bonne partie de ce rapport ou ne donner que l'aspect positif du rapport. Non, on joue le jeu. On joue le jeu. Voilà, donc, ces orientations, donc, sont ce qu'elles sont. On aurait aimé plus. Mais ne dites pas que nous persistons à rester dans l'ancien système qui fait en sorte que nous sommes aujourd'hui dans une situation difficile. La réforme d'un pays, la réforme du service public, la réforme de la fiscalité, ça ne se décrète pas. Il faut le faire de manière progressive et acceptée. Et le dialogue que nous menons, qui est un dialogue permanent avec nos partenaires sociaux, est réel. Nous dire aujourd'hui que finalement, ce que nous proposons pour redresser notre régime de protection sociale généralisée, c'est un retour vers l'OTRA, complètement faux. Totalement faux. L'OTRA a exonéré les patrons des charges sociales. Et c'est comme ça qu'on se retrouve aujourd'hui avec 22 milliards de recettes en moins dans la branche maladie. S'il n'y avait pas l'OTRA, on ne serait pas là à chercher des solutions pour redresser la dette sociale de notre pays. Bien sûr, ce n'est pas parfait, mais le débat, la décision finale, de toute manière, reviendra à votre Assemblée. Mais avec quelle majorité? Vrai que notre ami Nicolas Bertrand parlait de majorité, d'opposition. Je n'ai pas compris son intervention. Il n'y a plus d'opposition ni de majorité dans cette Assemblée? Ça, c'est la réalité, non? Comment quelqu'un peut-il se positionner aujourd'hui d'être d'un côté et non pas de l'autre? Impossible. Impossible. Voilà, donc, bien sûr, certains me proposent de démissionner. Disons les choses directement. Qu'attendez-vous pour constituer une majorité, une nouvelle majorité avec un bon programme, en prenant toutes les critiques de chacun? Faisons-en un programme, un véritable programme politique, et mettez un nom à la personne qui sera chargée de conduire cette politique. C'est beaucoup plus simple. C'est beaucoup plus simple. Voilà. En tout cas, j'accepte les critiques, peut-être pas tout, quand on me traite d'un cuisinier qui fait du chauve-souris. Je prends mes responsabilités. C'est vrai. C'est tellement plus facile de dire ne changeons pas,
faisant comme avant, je trouve quand même que le projet de budget qu'on vous propose, hein, se diffère totalement par rapport à ce qui a été fait, proposé jusqu'à présent. Et malgré toutes ces difficultés, hein, on a quand même fait avancer un peu le pays. Peut-être plus vite, comme certains l'auraient voulu. Quand on me dit, les banques ne donnent plus de prêts parce que, au niveau de la mesure sur l'accession à la propriété, le PAP, il y a 3 milliards de prêts déjà accordés, ben ça fait plaisir. Hein? Qu'il n'y a plus un seul logement à vendre ici à Tahiti, parce que tout a été vendu avec moyennant ces prêts, moyennant la mesure sur le PAP, la PIL. Eh bien, c'est quand même encourageant. C'est plus de 10 milliards de travaux qui seront lancés. À cela, il faut ajouter les 400 millions que nous allons proposer l'année prochaine. J'espère que ce ne sera pas coupé en deux encore. Et qui va générer 15 à 20 milliards de travaux. Voilà. Donc, les emplois, bien sûr, on ne peut pas dire qu'on n'a rien fait au niveau des emplois, certes. Des emplois faciles, des emplois sociaux, mais des emplois quand même. Et l'année prochaine, notre ministre de la Solidarité, au lieu de distribuer des chèques, hein, des aides en numéraire de 30 000, 20 000 francs, on en signe tous les mois, tous les jours, à ces familles, à ces 20 000 familles qui sont apparemment en dessous du seuil de la pauvreté. Pourquoi ne pas leur donner une activité rémunérée pour la même enveloppe? C'est plus enrichissant, ça préserve la dignité de la personne. Voilà, Monsieur le Président, quant aux interventions, pourquoi les engagements de l'État au niveau du nucléaire n'est pas inscrit dans le document, j'attends du concret. Il y a la loi Morin, il y a les indemnisations, bon, je ne peux pas y inscrire quelque chose dont on n'est pas sûr. Pourquoi, effectivement, les recommandations de la commission d'enquête sur la cherté de la vie, la lutte contre la cherté de la vie, ne sont pas suivies des faits. Quand on maîtrise l'inflation, c'est une façon de lutter contre la vie chère. Quand on demande, et ça dans le budget, que les gens qui doivent payer leurs impôts, c'est près de 5 milliards de redressement. C'est lutter, effectivement, contre la fraude électorale. Voilà, donc ça fait partie de la construction du budget 2011. Mais en tout cas, le budget 2011, construit sur la base de ces orientations, seront remis à notre Assemblée et le débat sera ouvert. Comme je l'ai été, j'ai toujours été ouvert à la concertation. Nos collectifs budgétaires ont été votés. On a trouvé un accord permettant effectivement à l'Assemblée de s'exprimer. Et je pense que le budget 2011 sera aussi un moment riche d'échanges et de débats, sans rester sur un débat stérile, dans lequel certains seraient tentés d'y aller. Voilà, Monsieur le Président, ce que je voulais dire. Et à l'intérieur de mon nom. Monsieur le Président, tous les représentants de leur dossier de séance, le relais de la correspondance reçue par l'Assemblée du 14 octobre 2010 et arrêté le 26 octobre 2010.
Parulu. Nota tatu rura imunine e fata hi atu tatu te tei omhane tora. Tatu e te ruru ahawe yone e maruru mai tei. Mumero mai tia tunda fatere lau te nuad mo fatere hau. Tatu ti au mui mai mo papa e vea. Maruru, yorana.